Bonsoir. Ben, je suis drôlement contente de vous retrouver. Je vous ai fait faux bond la semaine dernière. J'étais bien malheureuse. En plus, c'était un thème qui me tenait particulièrement à cœur. Et puis, c'était le début de l'année de la Terre. Voilà. Donc, je n'ai pas eu l'occasion de vous le dire. Je vais le faire. Bonne année à tous. Très, très bonne année avec plein de belles conférences scientifiques. On est en train de vous préparer le programme là, de mars à juin. Vous allez voir, ça va être quelque chose. On aura l'occasion d'en reparler prochainement. Pour le moment, là, donc, ce programme va jusqu'à la fin du mois de février. On travaille activement, toutes les équipes travaillent activement à la mise en place de l'exposition sur les pôles. Là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Et puis, je suis très contente de recevoir ce soir Pierre Lagrange. Ce que je voulais vous dire, juste je vous resignale, mais je crois que mon chef bien-aimé qui m'a remplacé au pied levé la semaine dernière, puisque les virus m'ont terrassé, à mon avis, se sont vengés d'une conférence scientifique qu'on avait fait précédemment. Juste vous signaler que Science West, ben, c'est une nouvelle maquette, on en est assez fiers. Le dossier de ce numéro est consacré au son. Et voilà, je vous invite à en prendre, bien sûr, connaissance. Voilà. Et bien, ce soir, nous allons parler de choses éminemment sérieuses, contrairement à ce que certains voudraient nous faire croire. Et donc, nous avons invité pour cela Pierre Lagrange. Pierre Lagrange est né à Auch. Alors, je me suis renseignée, parce que je ne suis pas très bonne en géographie, c'est le département du Gers. C'est bien ça. Capitale de la Gascogne, voilà. Vous êtes sociologue des sciences, spécialisé dans l'étude des controverses sur les parasciences. Vous avez travaillé pendant 10 ans, entre guillemets, parasciences. Voilà, on va y revenir. Il a travaillé pendant 10 ans au Centre de sociologie de l'innovation de l'École des mines à Paris. La sociologie des sciences, on ne pouvait pas l'apprendre à l'université à l'époque. Non, il se trouve que le... mon micro, oui. Oui, je crois qu'il faut parler bien comme ça. En fait, la sociologie des sciences, c'est une discipline qui a quoi, dans sa nouvelle version, il y a une 30-40 ans. Et les Français sont fer de lance dans le domaine. Et c'est vrai que ça a commencé à l'École des mines. L'université est un lieu souvent assez conservateur pour ce qui est du domaine du savoir. Donc ça entre maintenant à l'université, mais moi j'ai appris effectivement avec Bruno Latour à l'École des mines et je n'ai pas fait de sociologie classique à l'université. Un parcours un peu spécial. Ouais, je crois qu'il va falloir parler. Peut-être, comme ça. Voilà, ah oui, d'accord, on vous entendra mieux. Chercheur associé au LAIC, qui est le Laboratoire d'Anthropologie et d'Histoire de l'institution de la culture. C'est un labo CNRS ? C'est un laboratoire d'anthropologie dirigé par Daniel Fabre. Ouais. Conseiller scientifique auprès du musée de zoologie de Lausanne. Consultant auprès du Centre national d'études spatiales. Oui. Mais je fais partie de ce qui s'appelle le collège d'experts du GEPAN, qui est le groupe d'études des ovnis, des phénomènes aérospatiaux identifiés du CNES. Oui. Alors, vous avez écrit pas mal de livres, on va les citer. Juste parce qu'on parle du GEPAN, ça me fait penser à celui-là, parce qu'il en est beaucoup question. Un livre, vous savez, chaque fois, la bibliothèque prépare une table, la bibliothèque des Champs-Libres prépare une table pour vous montrer des ouvrages en relation avec le thème de la conférence. Donc, parmi ces livres, elles nous ont présenté celui-ci, « Phénomènes aérospatiaux non identifiés, un défi à la science ». C'est un livre qui a été réalisé sous la direction d'IFSIA, qui est un scientifique. Qui est un des grands patrons de la recherche, qui a été un ancien CNES. Directeur général du CNES. Oui. Et qui, c'est quand il était directeur spatiales. En 77 que le GEPAN, justement le groupe d'études des ovnis du CNES, a été créé. Et donc, vous faites partie de ce collège. En fait, lui, il dirige une autre structure qui est le comité de pilotage, qui est un comité de super experts, en gros, des chefs de département du CNRS, trucs comme ça, qui donnent un avis sur les études qui sont entreprises au GEPAN. Et à côté de ça, il y a le collège d'experts qui est plus dans le travail quotidien, je dirais, d'analyse des cas. Qui sont soumis par des témoins qui ont vu des phénomènes et qui les soumettent par le biais de la gendarmerie au GEPAN. Donc, ça, c'est un ouvrage collectif. Ça, c'est un ouvrage collectif, oui, qui a été dirigé par Yves Sillard.
Voilà. Et puis, on va parler des vôtres quand même. Alors, le tout premier, c'était en 96. Oswell, oui. Et vous l'avez... Alors, vous pourrez vous procurer. On n'a pas fait venir de libraire ce soir, on ne pouvait pas. Mais Pierre Lagrange a apporté quelques-uns de ses livres. Donc, si vous voulez les acheter, vous pourrez. Et il y a entre autres le premier. Moi, je crois qu'il était épuisé. Non, il m'en reste quelques-uns qui... dans ma cave. Vous ne les avez pas donnés à toute votre famille, à tout... Si, mais oui, il m'en reste encore. La rumeur de Roswell, donc ça, c'est sorti en 96. Voilà, et puis après, il y en a eu pas mal d'autres. Sont-ils parmi nous ? Ça, c'est un ouvrage que j'avais fait avec Canal+. Voilà, c'est avec ça, et Gallimard. Canal+, dans le cadre d'un programme qu'ils avaient fait, Une nuit extraterrestre, en 97. Oui. Vous avez fait aussi un guide du tourisme spatial. Ça, c'est autre chose. C'est un peu décalé par rapport aux OVNI. Il se trouve que la planète Mars, on la connaît très bien. Donc, je ne voulais pas écrire un livre de plus sur la planète Mars. Il y en a déjà plein. Et je me suis... Enfin, finalement, je l'ai quand même fait. Mais l'idée, c'était de prendre un autre angle d'attaque. Et je me suis dit, pourquoi ne pas faire le premier guide touristique pour les gens qui voudront aller visiter Mars. Donc, il y a des randonnées, il y a l'histoire culturelle de Mars, il y a plein de choses. Et puis, pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le voyage vers Mars, il y a plein d'endroits sur Terre qui ressemblent à Mars, qu'on peut visiter plus facilement et qui sont plus respirables. Voilà. Alors là, ça, c'est un autre livre que vous n'avez pas écrit, vous l'avez édité. Un livre de Bertrand Meust, Science-fiction et soucoupe volante, une réalité mythico-physique. Et c'est un livre édité par une maison d'édition rennaise, s'il vous plaît, Terre de Brume. Voilà. Et c'est une collection qui se poursuit ? Oui, il y a un autre ouvrage qui est paru sur Roswell, qui est une enquête d'un Américain qui a enquêté sur l'affaire. Meust, lui, c'est un philosophe qui s'intéresse au sujet depuis longtemps. C'est une des personnes que j'ai rencontrées quand j'étais étudiant. Et son livre met en parallèle, c'est une des premières études culturelles sur le sujet, mais qui ne réduit pas l'OVNI à un phénomène culturel. Il montre bien comment il y a une réalité, mais qui entre en résonance avec la culture, qui est un phénomène assez curieux, notamment la science-fiction. Alors, il y avait aussi celui-ci, un peu ça, plus ça, je vais en parler un petit peu tout à l'heure, parce que c'est l'histoire de l'émission d'Orson Welles. Oui. Et on a tous dans la tête cette l'histoire de... Dans le 30 octobre 1938, Orson Welles met en scène la guerre des mondes à la radio, l'Amérique panique, les gens se jettent par les fenêtres et tout, et en fait, c'est faux, c'est une rumeur. On croit que les gens ont cru à l'émission, mais en fait, très peu de gens y ont cru, il faut parfois qu'on fasse un retour critique sur la bêtise qu'on attribue aux autres, je dirais. C'est un peu le problème général des soucoupes volantes, d'ailleurs. Celui-ci, jeu extraterrestre, l'enquête... C'est Stéphane Alix, je connais pour l'avoir vu en conférence. C'est un journaliste qui est un grand reporter qui a fait une enquête sur le dossier des enlèvements. Il y a aux États-Unis notamment beaucoup de gens qui disent avoir été enlevés à bord de soucoupes volantes et avoir subi des examens assez... traumatisant dans certains cas, et il a enquêté sur ça. Je n'ai pas d'avis particulier à donner sur ça. Et puis votre petit dernier à vous, là, voilà. OVNI, ce qu'il, alors il écrit en majuscule et au pluriel, ne veulent pas que vous sachiez, il, vous allez nous expliquer de qui il s'agit. C'est une réflexion sur la théorie du complot, qui est très à la mode depuis X-Files notamment, mais bien avant. Et tout le problème étant de savoir justement, est-ce qu'on nous cache quelque chose, si oui, quoi et comment. Ça, c'est une question assez complexe. Voilà. Et puis, juste une chose, parce que alors, je me disais ufologue, mais pourquoi ufologue quand on parle des ovnis, je ne comprenais pas bien. Et en fait, UFO... UFO, c'est l'équivalent anglais d'ovni. Voilà. Unidentified flying object, objet volant identifié. Donc, on ne dit pas ovniologue, on dit ufologue. Mais vous considérez comme un ufologue ? Ufologologue, peut-être. Ufologologue ? J'étudie l'ufologie. Ah, j'étudie les controverses sur les ovnis. Ah, c'est pas mal, ufologologue. C'est un peu compliqué aussi, mais bon. Donc, c'est plutôt ça. Mais de fait, ufologue un petit peu, parce que je connais le dossier par la force des choses. Quoi. Ouais. J'ai été plongé dedans tout petit. Bon, je crois que vous allez nous emmener dans ce voyage. Juste une dernière chose, c'est une phrase d'Yves Sillard que j'ai repérée qui dit que quand on parle des soucoupes volantes, la plupart du temps, on utilise... ça éveille la suspicion, la désinformation, voire même la dérision. Et il dit que c'est une forme de cécité intellectuelle. C'est ce que je voudrais essayer de discuter. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées. Les ovnis, ça fait partie du sujet, de ce genre de sujet sur lequel on a tous une opinion. Même si on le connaît assez peu, enfin, on le connaît par les médias et tout. Mais c'est vrai qu'il y a
peu d'entre nous qui avons le temps de se plonger dedans, mais on a tous une idée sur le dossier. Et souvent, je dirais qu'il y a deux grandes catégories d'idées. Il y a ceux qui pensent qu'il y a un phénomène qui existe, il faut l'étudier et tout. Et puis, il y a aussi une opinion qui est quand même très largement majoritaire, qui consiste à dire, bon, c'est une vaste plaisanterie. Et la question, c'est souvent la question qu'on me pose d'ailleurs en tant que sociologue, c'est pourquoi est-ce que autant de gens croient à des trucs qui sont des fables, quoi, des fadaises. Et je pense que ça, enfin, c'est ce que je voudrais essayer d'expliquer, je pense que c'est un mauvais point de départ si on veut étudier le sujet. Il ne s'agit pas de croire, il ne s'agit pas de demander aux gens d'adhérer aveuglément à des choses, mais il s'agit juste d'utiliser le sujet comme un sujet de réflexion, quoi, qui n'est pas plus bête que l'autre. Il n'y a pas de sujet bête, il y a juste des façons plus ou moins intelligentes de les aborder. Voilà. Eh ben, on vous écoute, merci on se beaucoup. Retrouve tout à l'heure pour les questions. Très très bonne soirée à tous. Bon, j'ai plus besoin de ça. Merci d'être venus si nombreux. Vous m'entendez bien là ? Donc, bon, d'abord, je voudrais effectivement, je suis sociologue des sciences et juste expliquer un tout petit peu mon point de départ sur ce genre de sujet. C'est vrai que souvent le terme de sociologue, ça évoque des idées plus ou moins précises, mais en gros, on se dit que le sociologue, c'est quelqu'un qui nous explique pourquoi est-ce qu'on croit telle ou telle chose, pourquoi est-ce qu'on entretient des croyances, des mythes, des rumeurs. Moi, je suis sociologue des sciences, et je tiens à l'expression sociologue des sciences parce que c'est justement une approche un petit peu différente. Je n'ai pas été éduqué dans la tradition de ce qu'on appelle la sociologie critique, qui est une longue tradition. Ceux qui connaissent un peu les sciences sociales ont entendu les noms de Bourdieu, Pierre Bourdieu ou autres. Donc l'idée, ce n'est pas d'essayer de comprendre pourquoi la société est engluée dans les croyances, les mythes et l'erreur. J'appartiens à une tradition de sociologie qui se veut non critique et qui donc ne part pas de l'idée qu'il faut donner des leçons à nos contemporains, mais essayer de comprendre comment, dans quel monde on vit, comment on l'organise, et comment on s'y prend, en gros, pour gérer la vie quotidienne, plus ou moins quotidienne, et notamment les questions scientifiques. Ce qui m'intéresse, c'est les débats autour des sciences, parce que ça nous implique tous. On le voit avec des sujets comme les OGM, les nanotechnologies ou autres. On est aux prises avec les sciences et les techniques qui bouleversent nos existences. Et ça fait partie des questions qui ne sont pas juste réservées à des experts. Ça nous concerne tous. Et dans les sujets qui peuvent être discutés par les scientifiques et qui sont l'objet de beaucoup de discussions au sein de l'opinion, il y a des phénomènes comme les soucoupes volantes. Alors, a priori, c'est l'exemple même d'un sujet, on va dire, ridicule, une espèce de croyance collective. Et là aussi, on me demande souvent, expliquez-nous pourquoi les gens croient n'importe quoi et comment ils croient à des soucoupes volantes qui, manifestement, n'existent pas. Je ne sais pas si les soucoupes volantes ou si les ovnis existent ou pas. Je n'ai pas de réponse de certitude à proposer ce soir, ni avant ni après, je pense. Mais ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on discute de ces sujets et, en gros, qu'est-ce que ça change et qu'est-ce que ça peut apporter éventuellement à la culture scientifique. Donc, l'idée, c'est que si on veut pouvoir aborder un sujet comme ça, il faut sortir de l'idée qu'on va étudier a priori quelque chose qui est faux et de se dire... Qu'est-ce qu'on se donne dans les débats autour de ces questions comme critères pour décider, que ce soit les soucoupes volantes ou d'autres choses d'ailleurs, de ce qui est vrai et ce qui est faux. La vérité et l'erreur, c'est l'objet de débats et on ne sait pas toujours a priori ce qu'on doit décider sur le réel. Donc là, vous voyez un homme de Mars, ça fait partie des magazines de science-fiction des années 30. On a longtemps, alors justement c'est un problème de l'anthropologie, on a longtemps eu des représentations des autres cultures, on se souvient de toutes ces représentations des hommes sauvages, des primitifs et autres. Aujourd'hui on sait que tout ça c'était une espèce de croyance occidentale. Et sur les extraterrestres on a entretenu un peu les mêmes images, on a construit des espèces de stéréotypes, donc ça c'est un martien, voilà un homme de Vénus, il est aussi assez caricatural, ça provient des magazines populaires de science-fiction américains des années 30. On voit là quelques autres, celui-là il est de Mercure. Ils sont tous assez typiques.
de Saturne, c'est encore une autre forme de vie, Neptune. Donc la science-fiction en comme ça accumulé tout un tas de stéréotypes qui sont un peu le parallèle de des représentations qu'on avait autrefois au XIXe siècle sur les autres cultures. Il y avait les hommes primitifs, les hommes sauvages, et il y a les hommes du futur qui sont tout aussi bizarres que les hommes primitifs. Donc ça fait partie un peu de notre imaginaire, je dirais, que sur le monde, et ça touche à la fois notre imaginaire sur, je dirais, les extraterrestres, et notre imaginaire sur la différence entre les gens qui sont savants, les gens qui sont ignorants, ceux qui savent, ceux qui ne savent pas. Donc on a différentes façons de se représenter les relations comme ça entre science et société, notamment sur un sujet comme les soucoupes volantes. Donc je l'ai dit au début, la question qu'on pose spontanément, c'est pourquoi, à côté de la culture scientifique, et notamment dans une époque scientifique comme la nôtre, comment se fait-il que des gens puissent croire à des choses qui sont fausses comme les ovnis ? Donc ça, c'est la première façon d'aborder le problème, une erreur populaire, et on essaie de l'expliquer. Mais il se trouve que notre relation aux sciences a pas mal évolué, à la connaissance scientifique, et on peut envisager le problème d'autres façons. On sait, on voit, notamment ces dernières années, avec un sujet comme les OGM, on voit de plus en plus, je dirais, la parole d'experts reculer face à l'opinion publique qui s'exprime aussi, et on voit les débats, parfois très vifs, qui sont nés autour des sujets scientifiques et techniques d'actualité. Donc on pourrait tout à fait imaginer qu'un sujet comme les soucoupes volantes, au lieu d'en faire un sujet d'étonnement sur le niveau de croyance de nos contemporains, on construise des débats pour savoir ce qu'il y a à savoir ou pas sur ces sujets. Il y a encore un autre point de vue qu'on peut adopter, ce qu'on voit naître aujourd'hui, c'est à côté des experts, des groupes de citoyens qui prennent la parole, qui interviennent, et dans la mesure où effectivement les questions scientifiques nous concernent tous, on se dit que c'est des questions dont on doit décider également collectivement et qui ne peuvent pas être laissées simplement aux mains de certains, une petite poignée d'experts. On se souvient de l'histoire du nuage de Tchernobyl. Je crois que depuis cette époque, la plupart d'entre nous on a appris à douter de la parole des experts. Donc sur un sujet, que ce soit sur des sujets sérieux comme les OGM, les nanotechnologies ou autres, ou sur des sujets comme les ovnis, le même principe peut s'appliquer. Au lieu de juger rapidement de la bêtise de nos contemporains, essayons de comprendre ce qui se passe et de savoir pourquoi des gens estiment devoir prendre la parole sur ces sujets et qu'est-ce que ça peut changer, qu'est-ce que ça peut apporter à notre compréhension des sciences. Donc, voilà, on est habitué, de Jules Verne, la Terre à la Lune, une vieille conception de la science avec des savants comme Einstein qui dominaient l'humanité, ou des figures populaires, là c'est Robur, l'un des héros de Jules Verne qui a inventé des machines volantes au XIXe siècle. Et donc dans l'histoire des ovnis, si on veut l'aborder, il faut justement s'intéresser à ces différentes représentations qu'on s'est données de la science. Donc je vais retracer un petit peu l'histoire de la controverse sur les ovnis. La controverse démarre en 1947. En 1947, un pilote américain raconte avoir vu 9 engins bizarres au-dessus du Mont Rainier. Le Mont Rainier, c'est un sommet majestueux de la chaîne des Cascades dans l'État de Washington, dans le nord-ouest des États-Unis. Et ce truc-là est intrigué, d'abord parce que ce qu'il a observé n'avait pas la forme d'avion classique, c'était arrondi à l'avant, triangulaire à l'arrière, et puis parce que d'après ses estimations, ça allait à deux fois la vitesse du son. On est le 24 juin 1947, en juin 1947, le mur du son n'a toujours pas été franchi, il le sera en octobre 1947 par Chuck Yeager, et il y a beaucoup de spéculations sur les techniques, les progrès aéronautiques de l'époque, l'existence d'armes secrètes et tout ce qui s'ensuit. Kenneth Arnold, donc l'observateur, est très intrigué par ce qu'il a vu. Il en discute avec des amis pilotes qui n'ont aucune idée de ce qu'il a pu observer. Et le lendemain, en désespoir de cause, parce qu'il n'oublie pas son histoire, il va en parler à des journalistes dans le petit bled où il s'est posé, Pendleton, qui est dans l'Oregon, une petite ville de l'Oregon. Et là, il rencontre deux journalistes du Canard local, auxquels il explique ce qu'il a vu. Les journalistes lui disent qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'il a pu voir, est-ce que c'est une arme secrète ou autre chose, ils ne savent pas.
Est-ce que c'est un engin russe, américain? Il lui propose de publier un article dans le journal local, qui est en bouclage à ce moment-là. Et il verra bien s'il y a d'autres personnes qui se manifestent. Donc, les trois hommes se séparent ensuite et vont chacun de leur côté déjeuner. Et j'ai retrouvé en 1988 un de ces journalistes, Bill Beckett, donc un des deux journalistes qui avait accueilli le témoin, et qui me raconte que quand il est revenu des déjeuners une heure après, la standardiste, enfin la réceptionniste du journal, l'a accueilli avec des yeux ronds comme des soucoupes, parce que l'histoire qu'il avait, l'article qu'il avait écrit, il l'avait également envoyé sous forme de dépêche de presse sur le réseau de l'Associated Press, un des grands réseaux de presse américains de l'époque. Et en une heure de temps, toutes les rédactions qui avaient reçu, enfin une bonne partie des rédactions qui avaient reçu la dépêche, avaient renvoyé des questions, et l'histoire avait commencé à se diffuser. Et donc, Bill Beckett était assailli de questions, on lui demandait ce que c'était que ces engins qui avaient été vus, et plus de détails. Donc, il retourne voir le témoin à son hôtel, il renvoie un deuxième article plus long, et le lendemain, toute la presse américaine est remplie de manchettes, de une, qui évoquent les soucoupes volantes. En fait, quand Kenneth Arnold raconte aux journalistes son observation, il dit ce que j'ai vu, donc c'était circulaire à l'avant, triangulaire à l'arrière, donc ce n'est pas une forme de soucoupe, mais ça volait dans les airs comme des galets ou des soucoupes qui auraient ricoché sur l'eau. Donc il évoque le mouvement. Et Bill Beckett, en fait, en prenant ses notes, est allé un peu vite et a transformé le mouvement en forme. Il a évoqué des saucer-like objects, des objets en forme de soucoupe. Ce qui fait qu'en fait, quand la dépêche est arrivée dans les rédactions, on a retenu deux mots importants, flying et saucer, et ça a créé l'expression que l'on connaît, soucoupe volante. Donc toute la presse est remplie de manchettes sur les soucoupes volantes, et tout de suite, il y a une controverse qui démarre. Alors, les journalistes, pour avoir la réponse de l'énigme, puisqu'il y a des tas de témoins également qui commencent à se manifester aux quatre coins des États-Unis en disant « moi aussi, j'ai vu ces soucoupes volantes dans le ciel », donc les journalistes vont trouver deux catégories d'experts, les scientifiques et les militaires. Alors, quand on parle de soucoupe volante, on pense souvent à deux thèmes, celui justement, le problème de la preuve scientifique, qu'est-ce qu'en pensent les scientifiques, est-ce qu'ils acceptent ou pas l'existence éventuelle de ces phénomènes, et également on pense aux militaires parce que, notamment avec X-Files, on est habitué à l'idée que peut-être on nous cacherait la vérité sur l'existence des ovnis. Donc à cette époque, la même controverse se démarre très vite. On demande aux scientifiques leur avis sur ces phénomènes. Est-ce que les gens ont vraiment vu quelque chose de réel ou est-ce que c'est une erreur, une illusion ou quoi que ce soit? Alors, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que la réponse quasi unanime qui est donnée par les scientifiques, c'est en gros, c'est des fables. Les gens ont dû se tromper, peut-être qu'ils ont bu un verre de trop ou lu un peu trop de science-fiction, mais il n'y a pas de soucoupe volante. C'est une erreur, une croyance populaire. Donc en fait, les scientifiques ne vont pas s'intéresser au phénomène, vraiment, ils vont le disqualifier. D'entrée de jeu, le phénomène est disqualifié, il ne les intéresse pas. À côté de ça, il y a les militaires. Les militaires, ils sont chargés, notamment l'armée de l'air américaine, de surveiller le ciel des États-Unis et de prévenir une éventuelle attaque surprise. Donc on se tourne vers eux, parce qu'on dit, s'il y a des engins non identifiés qui volent dans le ciel des États-Unis, c'est quand même préoccupant. Et on peut s'attendre à ce que les experts militaires aient une réponse. Peut-être que ce sont des armes secrètes qui sont en train d'être testées. Alors là, il se développe un phénomène tout à fait intéressant, c'est que la réponse des militaires, c'est aussi de dire, bon, ce n'est pas un phénomène important, c'est souvent des ballons sondes, la planète Vénus, c'est des erreurs. En gros, les gens ont vu des phénomènes connus, mais ils ne les ont pas reconnus. Mais ce qui se passe avec les militaires est tout à fait intriguant, c'est qu'ils vont mettre en place un programme d'études du phénomène. C'est-à-dire que au moment où ils répondent aux journalistes que le phénomène est sans intérêt, au sein des bureaux militaires, ils décident quand même d'enquêter sur le sujet. Ils envoient des enquêteurs militaires auprès des témoins. Kenneth Arnold recevra vers le 10 juillet la visite d'enquêteurs militaires. Et ils commencent à rédiger des rapports, à accumuler les observations, notamment parce que, à côté des témoins civils, à côté de Monsieur Tout-le-Monde qui a vu une soucoupe volante, ils commencent à accumuler des témoignages qui sont faits par leurs pilotes. Et le problème, c'est que autant Monsieur Tout-le-Monde, on peut lui dire d'arrêter de plaisanter, autant les pilotes militaires, a priori, on les prend au sérieux. Et s'ils disent avoir vu quelque chose de bizarre dans le ciel, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose de bizarre dans le ciel. Donc en fait, on voit dès 1947
un double langage qui s'installe. Au public, on dit que le phénomène n'est pas intéressant, et en privé, dans le cadre des bureaux d'experts militaires, les documents qui circulent et qui maintenant sont déclassifiés, donc que l'on peut consulter, qui ont longtemps été secrets, mais qui aujourd'hui sont accessibles, révèlent qu'en fait, les militaires s'interrogent sur ce phénomène et se disent que, visiblement, il y a quelque chose qui vole, ils ne savent pas ce que c'est, mais ça les intrigue et ils aimeraient bien le savoir. Et une partie de ces experts militaires va conclure en fin 47, en septembre 47, après avoir analysé un certain nombre d'observations, qu'il y a vraiment quelque chose qui vole, qui est matériel, donc c'est des engins volants, ils n'ont pas de preuves, mais après avoir recoupé les différents témoignages, et notamment ceux qui sont fournis par les pilotes, les experts sont persuadés qu'il y a un véritable phénomène qui mérite d'être étudié. Et donc il y aura un laboratoire, un département qui va être créé pour étudier ça. Alors là, c'est Kenneth Arnold, notre premier témoin, qui a posé pour les journalistes quelques jours après son observation. On voit qu'il avait... Ça, c'est l'avion à partir duquel il a fait son observation le 24 juin 1947. Et il a dans la main une caméra, parce que comme il avait observé le phénomène et qu'il n'avait aucune trace, il s'était dit, la prochaine fois, j'aurai au moins une caméra pour essayer de les filmer. Donc ça, c'est le dessin de ce qu'il a observé. Donc vous voyez, ce n'est pas du tout des soucoupes volantes, c'est arrondi, donc triangulaire, ça ressemblait à ça. Et quand c'était... de profil, c'était très fin, donc il le voyait à peine se découper sur le ciel. Donc ça, c'est une copie du rapport qu'il a envoyé à l'armée de l'air américaine. Ça, c'est la façon dont la presse a représenté les soucoupes volantes à l'époque. On voit que c'est pris avec beaucoup de sérieux. C'est un dessin qui est tiré de Life en juillet 1947. Donc c'est un vaste sujet de plaisanterie. Et alors ça, c'est un magazine qui a été créé en 1948 et qui, on voit sur la couverture, c'est censé représenter l'observation de Kenneth Arnold. Alors par rapport au dessin qu'il a fait, ce n'est pas tout à fait exact. Puis surtout, ce qu'il a vu, c'était très lointain. Il n'a pas été survolé comme ça par d'énormes soucoupes. Donc on voit toute l'imagerie qu'a généré le phénomène et qui a un peu rajouté, je dirais, à la confusion et à toutes les controverses. Alors ça, c'est une couverture de livres. Dès 1949-1950, les premiers livres commencent à paraître sur le sujet. Donc ça, c'est un des tout premiers bouquins qui paraissent. On voit l'image qui est associée à la surveillance du ciel avec les feux DCA. Ça, c'est un autre livre qui paraît, qui est le premier livre qui raconte, qui est écrit par Frank Scully, un journaliste qui écrivait dans Variety, qui était le journal des potins d'Hollywood. Et Frank Scully est le premier qui rapporte des histoires selon lesquelles des soucoupes volantes se seraient écrasées dans le désert américain, auraient été récupérées en secret et étudiées. Donc ces histoires seront démontées quelques années plus tard par un journaliste qui fera une contre-enquête et qui montrera que ce sont des canulars. Ce n'est pas l'affaire de Roswell dont on parlera plus tard, ce sont d'autres histoires de crash. Voilà un autre livre, c'est-à-dire que l'histoire, donc, comme je vous disais, l'armée met en place un bureau d'études. Et en 1952-53, ce bureau d'études est dirigé par Edward Ruppelt, le capitaine Ruppelt, qui est un des patrons du programme d'études officielles, qui en 1956 écrit ce livre, le rapport sur les objets volants non identifiés, et dans lequel il raconte toutes les coulisses du programme militaire et comment le phénomène était étudié. Et il montre justement cette ambiguïté qu'il y avait entre les réponses qui étaient données en public, le phénomène n'est pas intéressant et ça n'est pas sérieux, et le sérieux, plus ou moins constant, mais en général le sérieux avec lequel le phénomène était pris dans le cadre du programme secret donc, qu'il a notamment dirigé en 1952-53. Voilà l'édition de poche du même livre. Donc on a comme ça un phénomène qui s'installe et qui, en 1947, est pris d'emblée dans le débat public qui naît dans la presse comme un sujet de plaisanterie. Ce courant, ce n'est pas sérieux, c'est une croyance populaire. Et en gros, ça relève de l'irrationnel et la croyance, et pas d'un phénomène digne. Donc, n'oublions pas que ce que pensent les militaires, c'est secret, et ça n'est pas censé être connu. Mais le phénomène ne s'arrête pas à ça. C'est-à-dire qu'au début des années 50, il y a plusieurs choses qui arrivent sur la scène. C'est-à-dire qu'on voit, on assiste à la création des premiers groupes d'amateurs, c'est-à-dire qu'une partie des gens dans le public... refuse de s'aligner sur la parole, le discours officiel, on va dire, et décide d'enquêter pour eux-mêmes en se disant « on va enquêter pour savoir si c'est sérieux ou pas, cette histoire de soucoupe volante ».
Et donc, à partir de 1952, on a en France, en Angleterre, aux États-Unis, des groupes qui sont créés, des groupes d'amateurs, qui vont créer publier des bulletins et qui vont produire des contre-expertises, je dirais, sur le sujet, et qui vont conclure la plupart du temps que les soucoupes volantes existent et peut-être qu'elles viennent d'une autre planète. L'autre phénomène tout à fait marquant du début des années 50, c'est que face justement à cet intérêt qui perdure dans le public pour le sujet, certains scientifiques se disent que les réponses qu'ils ont données, en gros ça ne nous intéresse pas, passons à autre chose, ne suffisaient pas. Et donc on voit certains scientifiques en France et aux États-Unis qui s'impliquent dans le débat sur les soucoupes volantes parce que pour eux c'est un enjeu pour la culture scientifique. Ils sont inquiets du fait qu'autant de gens déclarent croire aux soucoupes et ils se disent on assiste à une montée de l'irrationnel et ça pose un vrai problème parce que la vraie culture scientifique risque d'être en gros submergée par l'irrationnel. Alors, c'est notamment le cas aux États-Unis de Donald Menzel qui est un astrophysicien réputé, qui va publier des ouvrages, plusieurs livres pour expliquer que les soucoupes volantes existent mais que ce n'est pas du tout ce que les gens croient, ce sont des phénomènes météo classiques que le public confond avec des vaisseaux extraterrestres. Donc il a toute une démarche qui consiste à essayer d'extirper de la tête des gens ces phénomènes. Donc on voit qu'il y a deux courants qui s'opposent. D'un côté, les premiers soucoupistes, entre guillemets, les premiers enquêteurs privés qui créent leur groupe et qui s'intéressent à ces sujets en se disant « il y a un phénomène réel qui existe et pourquoi est-ce que la science l'ignore ?» Et de l'autre côté, des scientifiques qui sortent, je dirais, de leur cadre scientifique habituel, de leur travail, soit en astrophysique, en biologie ou dans d'autres domaines, et qui se disent il faut qu'en tant que porte-parole de la connaissance, on prenne position de façon très ferme contre la montée de l'irrationnel que représentent ces fameuses soucoupes volantes. Et dans cette histoire, il y a un précédent qui est utilisé par Menzel et d'autres, qui est l'histoire d'Orson Welles que j'ai évoqué brièvement tout à l'heure. Leur idée, l'idée forte des scientifiques qui militent contre les soucoupes, c'est de dire si les gens continuent à croire à ces choses-là, on va avoir des phénomènes de panique, on ne va pas pouvoir contrôler l'opinion et on risque d'avoir des phénomènes de panique qui vont se développer. Les gens vont croire à l'invasion des Martiens et ils vont faire ce qui s'est passé en 1938 quand Orson Welles a mis en scène la guerre des mondes. Donc je rappelle l'histoire, le 30 octobre 1938, Orson Welles, qui était à l'époque pas du tout le réalisateur fameux que l'on connaît, qui est un animateur d'émissions de radio et qui met en scène donc, des pièces radiophoniques, décide de mettre en scène La guerre des mondes, le roman de Herbert George Wells, qui avait été publié en 1898 en Angleterre. Et ce roman raconte l'invasion du sud de l'Angleterre par des obus tombés de la planète Mars et par des Martiens qui déciment tout sur leur passage. Donc comme Orson Welles pensait que le roman avait un peu vieilli et que les gens ne le prendraient pas au sérieux, il décide de le mettre en scène, en pièce radiophonique, sous forme de bulletin d'information. Donc les gens, on est dimanche soir, donc les gens qui tombent sur l'émission entendent des flashs d'informations qui racontent qu'on a vu des lumières bizarres sur Mars, qu'on a vu des météorites gigantesques traverser le ciel américain, que des objets sont tombés et que quand le journaliste se rend sur place, donc dans un bulletin suivant, ces objets ne sont pas du tout des météorites naturelles, mais des objets artificiels qui contiennent des martiens qui, une fois sortis de leur engin, commencent à réduire tout le monde en cendres. Donc les auditeurs entendent en direct le drame se dérouler, les martiens qui dessinent tout le monde, et le lendemain, la presse est remplie d'histoires comme quoi le public aurait pris au sérieux l'émission, aurait cru à l'invasion des martiens, et les gens se seraient enfuis de chez eux, voire certains se seraient jetés par les fenêtres. Donc si cette histoire, on l'a tous en plus ou moins entendue, ça fait partie des classiques de l'histoire de la radio. Et Orson Welles, le lendemain, a dû s'expliquer devant la presse sur la panique qu'il avait provoquée à travers toute l'Amérique. Et donc, pour des scientifiques comme Donald Menzel ou d'autres, l'histoire des soucoupes volantes, c'est en gros, ça risque de produire le même phénomène de panique si les gens se mettent à trop croire, à trop prendre au sérieux ces histoires-là. Ils risquent de paniquer et on va avoir des phénomènes de masse totalement incontrôlables, comme après l'émission d'Orson Welles. En fait, quand on se penche sur l'histoire d'Orson Welles, la première chose dont on se rend compte, c'est que oui, bon, il y a eu des gens qui ont réagi bizarrement, mais majoritairement, la réaction, ça a été que tout un tas d'auditeurs ont téléphoné
notamment à la radio et au bureau de police local ou autre, pour demander si ce qu'ils entendaient à la radio, c'était vrai ou pas. Donc en fait, la démarche, ce n'est pas une démarche de crédulité, c'est une démarche de vérification. Donc c'est une démarche tout à fait rationnelle et normale, ce qui fait que la majorité des auditeurs n'a pas pris au sérieux l'émission, puisqu'ils ont rapidement su, soit en téléphonant, soit en consultant tout simplement leur programme, leur programme radio, que c'était une émission de fiction, elle était annoncée dans tous les programmes, il n'y avait aucune ambiguïté. Or, Sonwell, ça n'a pas essayé de duper les auditeurs, il a annoncé ça comme un programme de pièces radiophoniques. Donc en fait, ce phénomène de panique est un phénomène qui a été très exagéré en fonction d'une idée qui est très forte, y compris donc à l'époque dans ce débat sur les soucoupes volantes. Cette idée, c'est qu'en fait, à côté d'une petite poignée d'experts scientifiques de gens rationnels, l'immense majorité du public sont des gens prêts à croire n'importe quoi et à se jeter par les fenêtres à la première histoire de martiens venus. Et ça, c'est une idée qui est très fortement implantée, qui est une espèce de vision sociologique de la société où il y aurait quelques experts qui gardent la tête froide, qui sont rationnels, et une majorité de gens totalement irrationnels et qui sont prêts à croire n'importe quoi. C'est ça l'idée qui va perdurer dans le débat sur les soucoupes volantes et qui motive la démarche de scientifiques comme Donald Menzel. Ils sont persuadés que, eux, bien sûr, les scientifiques ont été éduqués dans la culture rationnelle et dans la méthode scientifique, mais le public qui n'a pas suivi la même éducation est beaucoup plus malléable et beaucoup plus apte à croire tout et n'importe quoi. Donc s'ils réagissent aussi durement par rapport aux histoires de soucoupes volantes, c'est parce qu'ils sont persuadés que des phénomènes comme l'histoire d'Orson Welles sont capables de se reproduire. Mais bon, si on vérifie et qu'on se rend compte effectivement qu'il n'y a pas eu cette panique, ça entraîne, je dirais, à avoir une autre image de la société. Donc, voilà quelques... Ça, c'est Donald Keough, qui est un autre personnage qu'il faut évoquer quand on parle du début des soucoupes volantes. Donald Keough, c'est un journaliste américain qui, en 1949, est chargé par un grand magazine de l'époque qui s'appelle True, d'enquêter sur les soucoupes volantes et qui est le premier qui va en gros faire une large publicité à l'idée que ces soucoupes volantes, c'est sans doute pas des choses de chez nous, mais vraisemblablement des engins envoyés par peut-être par des martiens, des vénusiens ou par des extraterrestres. Donc son article aura un grand retentissement et il va publier dans la foulée un des premiers livres comme ce que je vous ai montré. Ça, c'est l'édition originale de son livre, « Flying Saucers Are Real, les soucoupes volantes existent », dans lequel il entend démontrer que ces soucoupes volantes sont des engins matériels qui viennent d'une autre planète. Donc ça, c'est un autre des ouvrages qu'il a publié. C'est un auteur qui, dans les années 50, a rencontré beaucoup de succès, puisque là, vous voyez le titre, « Flying Saucers Conspiracy », on est dans l'idée de conspiration. Donald Keough est un ancien militaire, et comme il va discuter avec ses anciens copains de l'armée, de ces histoires de soucoupes volantes, il entend des rumeurs comme quoi, au sein de l'armée, il y a des experts qui prennent ça très au sérieux. Et il commence à raconter dans ses livres que, à côté des réponses qui sont données au public du style « les soucoupes volantes n'existent pas », les experts militaires, en secret, prennent ça très au sérieux. Et dans ses livres, il rapporte les rumeurs qu'il a eues sur le fait que l'armée prend le phénomène très au sérieux. Et donc, ces ouvrages vont avoir beaucoup de succès. C'est les premières discussion sur l'idée d'un complot éventuel pour cacher la vérité sur les soucoupes volantes. Donc ça, Coral et Jim Lorenzen qui sont les créateurs de l'APRO, qui est un des premiers groupes d'amateurs américains en 52 qui va s'intéresser aux soucoupes volantes. Donc ça fait partie de ces premiers citoyens qui vont essayer de faire la lumière par eux-mêmes sur le mystère. Ça, c'est une des premières revues qui a été créée en France, Ouranos, qui était également le nom d'un groupe, qui, pareil, réunit des passionnés, des gens qui vont enquêter. Vous voyez, on dit la Commission internationale d'enquête sur les soucoupes volantes, donc qui est créée au tout début des années 50. Ça, c'est un autre ouvrage qui est plus tardif, qui date des années 70, qui a été créé par un autre groupe qui est né plus tard, en 1958, donc Lumière dans la nuit, c'est un des réseaux les plus importants d'enquêteurs qui existaient en France dans les années 60-70. Donc, de personnes privées qui disaient qu'il faut étudier. Et cet ouvrage est rempli de témoignages qui sont présentés comme autant d'évidence d'existence d'un phénomène étrange. Donc, voilà le Menzel que j'évoquais, qui est donc l'astrophysicien, qui a participé à cette levée de boucliers de scientifiques qui entendaient réfuter les croyances qui se répandaient dans la société sur l'existence des soucoupes volantes. Ça, c'est un de ses livres.
qu'il a publié sur le sujet avec un autre auteur. Et le dernier bouquin, qui est paru d'ailleurs, je crois, après sa mort, à la fin des années 70. Donc, on voit, dans les années 50, il y a donc d'un côté des groupes d'amateurs qui s'intéressent au sujet, et de l'autre côté, des scientifiques qui entendent réfuter ces croyances qu'ils considèrent comme des croyances populaires. Dans les années 60, la situation va un peu évoluer, à la suite de plusieurs événements. D'abord, l'armée américaine, je vous l'ai dit, en 1947, a mis en place un programme d'études des soucoupes volantes. Mais ce programme va se prolonger, il va avoir plusieurs noms. Au début, on l'appelle le projet SIGN, le signe. Ensuite, il va prendre le nom de GRUDGE, qui signifie rancœur, qui donne peut-être une indication de l'état d'esprit dans lequel l'armée étudiait le sujet. Dans les années 50, on appelle ça le projet Blue Book, le programme Livre Bleu. Et il va garder ce nom jusqu'en 1969. Mais en 1966, l'armée de l'air américaine en a par-dessus la tête de ces histoires de soucoupes volantes, parce qu'en gros, ils voient bien qu'une partie du public ne les prend pas au sérieux, et ils ne savent pas trop comment gérer ce dossier. Et donc, en 1966, l'armée américaine fait le tour des universités des États-Unis en disant « on a beaucoup d'argent à proposer à une université qui acceptera d'étudier ce sujet, parce que nous, on est accusés de cacher la vérité, personne ne nous prend au sérieux, et donc il faut en gros qu'une commission indépendante, avec des scientifiques respectés, étudie cette question et dise si oui ou non il y a quelque chose à étudier dans ce dossier des soucoupes volantes qu'entre-temps on appelle de plus en plus OVNI ou en anglais UFO. Donc le vocabulaire également évolue. Donc finalement, après pas mal de négociations, l'Université du Colorado accepte de prendre en charge de réaliser une étude qui durera 3 ans sur ces fameux OVNI. L'étude sera dirigée par Edward Condon, qui est un prestigieux scientifique américain qui a participé dans les années, fin des années 40 au projet Manhattan, donc au programme de construction de la bombe atomique, qui a dirigé quelques-uns des plus grands départements et instances scientifiques des États-Unis, donc qui est un scientifique avec tous le CV impressionnant. Et donc il met en place une commission qui va travailler pendant 3 ans. En 60, fin 68, début 69, elle rend son publie un énorme rapport de 1000 pages qui sera publié notamment dans une édition de poche. Et la conclusion de Condon, c'est pas les ovnis n'existent pas. C'est peut-être qu'effectivement il y a des choses que les gens en voient, parce que dans son rapport, en fait, les autres scientifiques de son équipe, il y a eu tout un tas d'expertises d'observations qui ont été faites, et une partie des observations restent sans explication, ils n'ont pas trouvé la solution. Donc il se dit, oui, il y a des choses effectivement que les gens voient qui peuvent être étranges, mais en gros, ce n'est pas intéressant pour la science. C'est important cette réponse, parce que ce n'est pas la réponse à laquelle on s'attend classiquement, ce n'est pas les soucoupes volantes n'existent pas. C'est, même si ça existe, scientifiquement, ça n'a aucun intérêt, et on ne peut rien en tirer comme sur le plan de la connaissance. Donc c'est ça la conclusion du rapport qu'on donne. Alors elle va être reprise bien évidemment par l'ensemble de la presse mondiale, et ça va en gros contribuer à, je dirais, un peu calmer momentanément l'opinion en disant, bon, on s'est enflammé pour pas grand-chose, et ce phénomène des ovnis ne mérite pas toute l'attention qu'on lui a portée. À côté de ça, à la même époque, milieu des années 60, comme ça, à côté, je dirais, de cette représentation savante plutôt conservatrice, donc qui dit les ovnis ne sont pas intéressants, il y a toute une génération de scientifiques jeunes et moins jeunes, donc là, quelques noms, Hynek, Vallée, McDonald, certains d'entre vous les ont peut-être croisés sur les couvertures de livres, qui disent il faut arrêter en gros de répondre au public que tout ça, ça n'existe pas, c'est des fables ou autre. Il y a des gens qui voient des choses, dans une partie des cas, on ne sait pas ce que ces gens ont vu, et peut-être que la mission des scientifiques, c'est aussi de s'intéresser à ce genre de phénomène et de contribuer à apporter une réponse sérieuse à cette énigme. Hynek est un astronome, Joseph Allen Hynek, et c'est quelqu'un qui, depuis 1948, avait été embauché par l'armée de l'air pour expertiser les rapports qui parvenaient aux militaires. Pendant longtemps, il pensait que, bon, avec des enquêtes un peu sérieuses, on arrivait à résoudre les problèmes. Mais dès le début des années 50, il se rend compte qu'il y a un lot d'observations qu'il n'arrive pas à expliquer, qui résistent. Donc il se dit, il y a quelque chose à étudier. Et au milieu des années 60, il commence à publier un certain nombre d'articles dans la presse en disant... si on se contente en tant que scientifique de rejeter le phénomène, on ne remplit pas notre mission. Il faut étudier ce phénomène plus sérieusement. Et à cette époque, justement, il est rejoint par un jeune
astrophysicien français qui s'appelle Jacques Vallée, qui a fait ses études en France, et qui part travailler aux États-Unis et qui va notamment travailler avec INEC qui va faire une thèse en informatique. C'est un des pionniers de l'informatique. Dans les années 60, ils n'étaient pas très nombreux. Et Vallée donc, s'intéresse à cette histoire d'OVNI, et il va publier quelques-uns des premiers ouvrages publiés par un scientifique. Il va participer donc à une jeune génération de scientifiques qui, pareil, se disent l'attitude des scientifiques, c'est pas en gros d'être méprisant vis-à-vis du public, mais d'essayer de répondre aux questions que se pose ce public, y compris sur des sujets comme les soucoupes volantes. Donc à côté, il y a le nom de James McDonald. McDonald, c'est pareil, c'est un météorologue de l'Université d'Arizona qui consulte les dossiers de l'armée américaine et qui se rend compte qu'il y a tout un tas d'observations inexpliquées et qui se dit, ça pose un problème. Et McDonald ira jusqu'à conclure que, en gros, une partie de ces observations inexpliquées sont sans doute liées à des intrusions d'extraterrestres. Donc lui aussi va conclure que le phénomène est sans doute beaucoup plus sérieux que ce que croit la majorité de ses collègues. Donc on voit comme ça qu'il y a deux courants intérieurs du milieu scientifique qui se séparent. D'un côté, le courant représenté par Condon et l'Université du Colorado. Le phénomène n'est pas intéressant scientifiquement, c'est des croyances populaires. Essayons de passer à des choses plus sérieuses. Et de l'autre, une génération de scientifiques plus à l'écoute, je dirais, de l'opinion, qui se disent, notre mission, c'est aussi répondre à ce genre de questions, parce que c'est peut-être, malgré le côté culture populaire, c'est peut-être plus sérieux qu'il n'y paraît. Et alors justement, en 68, au moment donc, où on discute des conclusions du rapport Condon, l'Association américaine pour l'avancement des sciences, donc la 3AS, met en place un colloque qui réunit un ensemble de scientifiques, notamment INEC, McDonald, des gens qui avaient travaillé à l'Université du Colorado, pour essayer de discuter de cette question des ovnis et de se dire quelle est la responsabilité des scientifiques face à cette question. Donc on voit qu'il y a une espèce d'évolution dans l'opinion des scientifiques. Et cette évolution va se matérialiser en France en 72 par un gros dossier dans la revue Science et Avenir qui, à l'époque, c'était encore une époque, dans les années 70, on publiait de très longs articles scientifiques qui faisaient 10-15 pages. Et là, c'est un long dossier qui est rédigé par Pierre Guérin, qui est un astronome français qui a fait sa carrière à l'Institut d'astrophysique et qui s'est convaincu que le phénomène OVNI était beaucoup plus sérieux que ce qu'en disaient ses collègues. Et qui publie à la surprise générale en 72 un long article donc dans Science et Avenir dans lequel il explique qu'il y a un phénomène d'inattention et qui potentiellement est intéressant sur le plan scientifique et qui pourrait être lourd de découvertes potentielles dans le cadre de la recherche. Donc voilà en gros tout un changement, on dirait une évolution dans les relations entre l'opinion publique et le milieu scientifique sur le phénomène. Donc ça c'est la couverture de l'édition hardcover relié du rapport Condon. Donc on voit l'étude scientifique sur les objets volants non identifiés, donc qui fait 1000 pages. Ça, c'est un bout de l'édition de poche, publiée par Bantam. Ça, c'est un rapport donc, publié par le NICAP, qui est un des gros groupes aussi d'amateurs américains qui a été longtemps présidé par Donald Keough, le journaliste que j'évoquais tout à l'heure. Et ce rapport, notamment, est rédigé par le NICAP et sera envoyé aux membres du Congrès américain en leur demandant de mettre en place une enquête officielle pour savoir ce qu'il en est vraiment de cette histoire des soucoupes volantes. Là, c'est INEC, Joseph Allen INEC, l'astronome chargé par l'armée d'étudier les observations, qui, au cours d'une conférence de presse, et à l'époque où il commence à changer d'attitude sur le sujet, à dire que le sujet est peut-être beaucoup plus sérieux qu'on ne le pense. Donc, c'est à nouveau INEC avec Vallée, donc le jeune scientifique français qui le rejoint aux États-Unis en 65-66. Voilà, nouveau Vallée, quelques années plus tard. Et là, c'est McDonald, donc le météorologue que j'évoquais tout à l'heure, qui lui conclut carrément que une partie des histoires d'OVNI sont liées à des intrusions d'extraterrestres, donc c'est un problème extrêmement important à étudier. Ça, c'est le premier livre publié en 72 par INEC, qui va lui aussi rédiger des ouvrages, et c'est... Vous voyez sur la couverture, ce qu'ils disent en anglais, l'expression « Close Encounters of the Third Kind », c'est « Rencontre du troisième type ». C'est INEC qui est l'inventeur du titre du film de Steven Spielberg et donc qui a rendu cette expression si fameuse. Puisqu'il a, entre autres choses, INEC a proposé
de classer les observations qui étaient rapportées en différentes catégories. Donc il y a deux grandes catégories, les observations à plus de 200 mètres, c'est-à-dire les phénomènes assez lointains, et les observations à moins de 200 mètres, des phénomènes assez proches. Et dans les phénomènes assez proches, il propose de les découper en trois catégories, les rencontres rapprochées du premier, du second et du troisième type. Le premier type, c'est en gros, on observe un ovni à moins de 100 mètres, mais voilà, un phénomène lumineux ou matériel, d'aspect matériel, mais sans interaction avec l'environnement. Les rencontres du deuxième type, c'est les cas dans lesquels non seulement le phénomène est observé, mais il laisse une trace, des traces sur la végétation, ou des échos-radars, ou des choses de ce genre. Donc ça, c'est les rencontres du deuxième type. Et les rencontres du troisième type, c'est les observations qui sont accompagnées d'observations de pilotes, entre guillemets, de créatures bizarres, ce qu'on appelle parfois des ufonautes, donc les marins des ufos, des ovnis. Et donc c'est Hynek qui est l'inventeur de cette classification qui est devenue populaire grâce à Steven Spielberg. Et là, c'est Carl Sagan, vous connaissez Carl Sagan, un des plus grands vulgarisateurs de scientifiques de la seconde moitié du XXe siècle. Et c'est Carl Sagan qui sera à l'origine du colloque donc, de l'Association américaine pour l'avancement des sciences, puisque dans les années 60, Carl Sagan s'intéresse énormément, il est jeune chercheur, mais il se passionne pour la question de la vie extraterrestre. Et donc ce qu'on appelle le programme SETI aujourd'hui, la recherche d'intelligence extraterrestre, qui se fait notamment avec des radiotélescopes. Mais Sagan, bien sûr, est confronté à ces histoires de soucoupes volantes et il s'interroge, il se dit, est-ce que par hasard la question des ovnis aurait un lien avec la recherche d'extraterrestres, donc le sujet scientifique légitime, entre guillemets. Donc, à la fin de sa vie, il conclura que probablement non, mais pendant une partie de son existence, il s'est interrogé sur le sujet, et donc il est à l'origine de ce colloque scientifique de l'AES qui a abouti à la publication en 1972 de cet ouvrage, « Les ovnis, un débat scientifique », qui est un des ouvrages les plus intéressants par la gamme de points de vue et d'analyses qui sont proposées sur le sujet. Malheureusement, il n'existe pas en français. Donc, alors voilà, vous connaissez, peut-être certains se souviennent de Jean-Claude Bourret, un journaliste extrêmement populaire dans les années 70, qui avait fait toute une série d'émissions sur France Inter en 74, dans laquelle il avait invité des témoins, mais également des scientifiques comme Pierre Guérin, que j'évoquais tout à l'heure, qui donc s'intéressait au sujet, et qui va publier toute une série d'ouvrages qui vont contribuer à la popularité des ovnis en France. Donc voilà, dans les années 60, après la période des années 50 où le phénomène est en gros considéré comme une croyance populaire, comme un irrationnel populaire, donc dans les années 60, certains scientifiques prennent le sujet au sérieux, et là on arrive dans les années 70 avec à nouveau une série de bifurcations où on a d'une part un phénomène curieux qui apparaît au sein des milieux ufologiques. Alors les milieux ufologiques, c'est le milieu d'amateurs que j'évoquais tout à l'heure, le Uranos, ça c'est ces groupes d'amateurs qui s'intéressent aux soucoupes volantes. Et en 1977, certains de ces amateurs décident qu'en fait, pendant toutes les années où ils sont intéressés aux ovnis, ils ont poursuivi une chimère. C'est-à-dire que certains d'entre eux concluent que les ovnis n'existent pas. Alors c'est tout à fait curieux parce qu'on a affaire, là c'est Michel Monnery qui est donc le chef de file de ce mouvement, qui est un ufologue qui appartenait au groupe Lumière dans la nuit, dont j'ai montré la couverture d'un livre un peu plus tôt, donc qui était un réseau important d'enquêteurs, et ces gens-là étaient motivés par l'idée qu'ils enquêtaient sur un phénomène réel, matériel, et sans doute d'origine extraterrestre, ou au moins doté d'intelligence, d'intention. Et donc Monnery en 77 publie un livre qui s'appelle « Si les ovnis n'existaient pas », dans lequel il dit « si ça se trouve, on s'est complètement planté ». Ces soucoupes volantes qu'on croit réelles n'existent pas. Il se trouve que, bon, c'est vrai que dans les lots de témoignages d'OVNI, il y a beaucoup de méprises. Et il se dit, mais peut-être qu'il n'y a que des méprises. Peut-être qu'il n'y a pas de phénomène réel, qu'il n'y a que des erreurs de perception, que des confusions avec des ballons sondes, la planète Vénus ou autre, et qu'on s'est complètement trompé. Donc on a un phénomène tout à fait curieux, c'est-à-dire que pendant longtemps, pour les passionnés d'OVNI, la critique, le discours, les OVNI n'existaient pas, venait de l'extérieur. Ça venait des scientifiques rationalistes, en gros. Mais en 77, en gros, le loup est dans la bergerie. Monnery publie ce premier livre qui va jeter un doute et qui va déclencher une importante polémique parmi les amateurs qui vont dire « mais qu'est-ce que c'est que ce discours
qui consiste à rejeter l'existence des ovnis. On s'est battu toute notre vie, pendant des années, pour faire reconnaître le phénomène. Et voilà qu'au sein d'un des groupes les plus importants qui est créé en France, un spécialiste du sujet conclut qu'en fait, c'est une erreur. Ils se sont trompés pendant toutes ces années. Ils ont fait fausse route. Donc, c'est ce qu'on va appeler la nouvelle ufologie, à l'époque des nouveaux philosophes. On a comme ça un courant de nouvelle ufologie, d'ufologue sceptique, qui vont rejeter l'idée que les ovnis existent et qui expliquent que tout ça sont des confusions. Ça, c'est le deuxième livre, la couverture du deuxième livre qu'il publie en 1979, « Le naufrage des extraterrestres », le titre est assez explicite. Et en bas, si vous voyez le logo, la NER, c'est les nouvelles éditions rationalistes. C'est, en fait, son premier livre avait été publié chez un éditeur célèbre de bande dessinée, notamment « Les humanoïdes associés », qui est un peu paradoxal pour un livre qui nie l'existence des soucoupes volantes. Et le deuxième livre, son deuxième livre, Monnery ne trouve pas d'éditeur, parce que les éditeurs hésitent à tuer la poule aux œufs d'or, parce qu'à l'époque, les livres sur les ovnis avaient pas mal de succès. Et donc, il se fait publier par les rationalistes. Et d'après la rumeur qui a circulé, les rationalistes auraient accueilli Michel Monnery comme un miracle. Ce serait le premier miracle authentifié par l'Union rationaliste, parce que voir comme ça un ufologue qui conteste l'existence des soucoupes volantes, c'est un phénomène totalement inespéré pour les porte-parole de l'Union rationaliste. Donc, il publie ce livre, qui aura un succès assez limité, mais qui va, au sein des milieux de passionnés d'OVNI, déclencher de très importantes polémiques. Donc, l'autre phénomène, à côté de cette scission au sein des milieux de passionnés d'OVNI, c'est qu'en 1977, le Centre national d'études spatiales décide de créer un département qui va se consacrer à l'étude des ovnis. Et donc là, c'est Claude Poher, qui est ingénieur au CNES à l'époque, qui est à l'origine de la création de ce service. Donc, à titre privé, il avait entrepris un certain nombre d'études sur le sujet. Il fait partie de cette génération de scientifiques qui, il avait eu l'occasion de rencontrer Hynek aux États-Unis, de discuter avec lui. Il avait lu le rapport Condon. Et il s'était dit, décidément, il y a quelque chose d'énigmatique là-dedans et il faut essayer de creuser le problème. Donc, il entreprend notamment de réaliser toute une série d'études statistiques. Et à la suite de ces études, les conclusions des études statistiques, c'est qu'apparemment, il y a un véritable phénomène matériel à l'origine des observations. Ce n'est pas juste des illusions. Les gens voient vraiment quelque chose de matériel et ça ne correspond pas à des phénomènes connus. Donc, il y a un noyau de phénomènes réellement non identifiés. Et donc, avec ces statistiques, il arrive à convaincre la direction du CNES de le laisser travailler sur le sujet. Alors, à partir de 1976, il travaille à temps plein là-dessus. Et en 1977, la direction du CNES décide de créer le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés, le GEPAN. Et donc, c'est Poher qui en prend la direction. Donc, voilà un des nombreux articles de presse qui avaient été consacrés à ce GEPAN à l'époque. On voit un côté un petit art encadré sur Lumière dans la nuit, donc un des groupes d'amateurs très importants à cette époque-là. Donc, le CNES, comme ça, va étudier le sujet et à partir de 1977, mais, Poher va démissionner en 1978. Un autre ingénieur lui succède, Alain Sterle, qui démissionnera à son tour en 83, après avoir publié toute une série de travaux donc par différents chercheurs sur des questions aussi diverses que des hypothèses sur la propulsion ou les questions de psychologie de la perception, enfin tout un tas de questions liées à l'étude des ovnis. Et le service va continuer, mais à un régime moins soutenu, puisque pendant longtemps, en fait, le CNES n'a pas su trop comment se positionner par rapport à ce service qu'il avait créé. Il n'a pas su assumer, je dirais, l'idée qu'au sein d'une institution aussi prestigieuse que le CNES, les ovnis puissent être étudiés. Ce qui sera d'ailleurs l'objet de pas mal de polémiques publiques, qui durent encore d'ailleurs. Donc, après ce phénomène des années 70, où on a comme ça les amateurs qui ne savent plus s'il faut croire ou pas aux soucoupes volantes, et des services officiels comme le CNES qui ne savent pas s'il faut étudier, prendre au sérieux vraiment le sujet ou pas. On arrive aux années 90, une période dont beaucoup doivent se souvenir, où on a un certain nombre un discours qui va énormément émerger sur, non plus tant sur la polémique scientifique, sur l'existence, la question des preuves scientifiques de l'existence des soucoupes volantes, mais sur la question de est-ce qu'on nous cache la vérité ou pas. C'est l'époque de X-Files, de la série télévisée X-Files, qui commence en 1994 en France.
C'est aussi l'époque où certains se souviennent sans doute de ce film d'une autopsie d'un extraterrestre qui aurait été trouvé à Roswell, qui est diffusé sur TF1 au cours de l'été 95, qui fera énormément, qui sera l'objet de pas mal de sketchs des Guignols et qui sera aussi à l'origine de pas mal de plaisanteries sur le dos de Jacques Pradel, qui est le journaliste de TF1 qui avait lancé l'affaire. Donc l'histoire, c'est que Pradel était entré en possession, ainsi que pas mal d'autres journalistes, d'un film, d'une vidéo qui était censé montrer être la copie d'un film ultra top secret de l'armée qui filmait l'autopsie d'un des extraterrestres récupérés en 1947 à Roswell. Donc Roswell, c'est une petite ville du Nouveau-Mexique où, selon tout un tas de rumeurs persistantes, une soucoupe volante se serait écrasée au tout début de l'histoire des soucoupes volantes en 1947, aurait été récupérée en grand secret et cachée depuis lors. Cette histoire ressort, en fait, pendant longtemps, elle était ignorée des ufologues, et elle ressort à partir des débuts des années 80, parce que plusieurs livres paraissent sur le sujet, pour la bonne raison que des ufologues américains rencontrent un militaire de la base de Roswell qui dit « c'est pas une rumeur, il y a vraiment une soucoupe volante qui est tombée, puisque j'étais sur les lieux et j'ai participé au recueil des débris ». Donc, on a comme ça une polémique qui va enfler, et qui, donc, au milieu des années 90, arrive à son maximum, avec d'un côté la révélation de ce film donc censé montrer l'autopsie d'un des extraterrestres récupérés à Roswell, la série X-Files qui va énormément contribuer à populariser tous ces thèmes-là, et donc la naissance de tout un discours sur est-ce qu'on nous cache la vérité ou pas, qui va notamment se matérialiser aux États-Unis par une enquête du Congrès, c'est-à-dire que le Congrès américain décide de mettre en place une enquête pour exiger de l'armée de l'air américaine qu'elle fasse la clarté sur ce qu'elle sait ou ce qu'elle ne sait pas sur ces histoires de soucoupes volantes et notamment sur cette affaire de Roswell. Puisque l'armée de l'air est accusée d'avoir récupéré en secret une soucoupe volante, de l'avoir cachée et de l'avoir étudiée depuis lors, le Congrès, qui est en gros appelé à la rescousse par des contribuables américains qui écrivent à leurs membres du Congrès en disant « essayez de nous aider à faire la lumière là-dessus ». Donc en 1994, une enquête est lancée et l'armée américaine est obligée de se pencher sur ces archives pour faire la lumière sur l'affaire. Et donc un gros rapport en 1994 est rendu public par l'armée de l'air américaine, qui fait 1000 pages, c'est gros comme un bottin téléphonique, dans lequel l'armée explique qu'effectivement en 1947 à Roswell, il y a bien un truc qui est tombé du ciel, qui a été récupéré par les militaires, mais c'était pas du tout une soucoupe volante, c'était pas non plus un ballon sonde comme on l'a expliqué à l'époque, c'était la solution qui avait été donnée en 1947 et qui avait calmé l'opinion alors. C'était en fait, le rapport explique que c'était un engin qui était composé notamment de ballons et d'appareils ultra-sensibles qui était lancé dans le ciel dans le cadre d'un programme ultra-top secret qui devait espionner les Russes et notamment déterminer si les Soviétiques avaient ou pas la bombe atomique, qui était un sujet, on le comprend, extrêmement sensible à l'époque. Et l'armée américaine dit « oui, il y a bien un truc qui est tombé à Roswell, mais ce n'est pas une soucoupe volante, c'était les restes de ces ballons qu'on envoyait dans le ciel pour espionner les Russes ». Et à l'époque, on ne pouvait pas dire ce que c'était, parce que sinon les Soviétiques auraient été au courant de nos manœuvres et décemment, on ne pouvait pas leur rapporter l'information sur un plateau. Donc ce rapport de l'armée est accueilli de façon très diverse. Une partie des gens disent « bon, ben, ok, on a la solution du mystère ». Il n'y a pas de soucoupe à Roswell, c'était juste un programme top secret de l'armée en 1947. Mais une partie de l'opinion n'est pas d'accord. Je dis c'est encore une manœuvre de diversion et encore une fois de plus, l'armée nous vend des ballons sondes pour des soucoupes volantes. Donc ça va déclencher toute une série de polémiques et l'histoire de l'autopsie d'extraterrestres de Roswell va contribuer à la popularisation de cette histoire. Donc, on a comme ça dans les milieux d'amateurs, aussi l'apparition d'Internet, qui va énormément contribuer à la popularisation des débats. Aujourd'hui, si vous allez sur Internet et si vous rentrez des mots-clés OVNI, vous allez avoir des milliers de sites qui vont débouler et énormément de listes de discussions où les gens échangent leur opinion sur les soucoupes volantes, s'engueulent sur la théorie du complot. Enfin, il y a tout un tas comme ça de spéculations qui vont bon train. Et on a, en gros, parmi les milieux d'amateurs devenus, on a vu que dans les années 70, il y avait, en gros, un courant qui pro-extraterrestre, on va dire, et puis un courant plutôt sceptique, et plutôt même carrément sceptique.
Dans les années 90, on a une nouvelle séparation, c'est-à-dire entre ceux qui pensent qu'il y a définitivement un complot et que la vérité est cachée, et que Roswell est un dossier brûlant qu'il faut faire éclater au grand jour, et une partie des ufologues qui s'intéressent moins à l'affaire de Roswell et qui disent bien un phénomène qui est rapporté par des témoins, il faut l'étudier, mais en gros, on ne sait plus quoi penser sur le sujet. C'est ce que j'appelle donc ces ufologues agnostiques. Donc, ils n'ont pas d'opinion précise sur le phénomène. Donc, ça, c'est une copie, non pas du premier, mais d'un deuxième rapport, puisqu'en 1994, donc, comme je l'ai dit, l'armée américaine rend public un premier rapport de 1000 pages sur l'affaire de Roswell. Et en 1997, elle sort un deuxième rapport, donc le rapport de Roswell, case closed, donc affaire classée, qui s'intéresse à une autre partie des rumeurs liées à Roswell, donc notamment sur les histoires de cadavres extraterrestres qui auraient été récupérés dans le désert, et qui explique que. Bon, il n'y a pas la solution sur ces histoires-là, mais c'est sans doute en partie des rumeurs qui sont liées à des expériences faites dans le cadre de programmes aéronautiques américains, où notamment l'armée utilisait des mannequins qui étaient parachutés d'avions pour tester tout un tas de conditions de résistance du corps humain dans des situations extrêmes, et que certaines personnes auraient pu tomber sur ces mannequins, et que la rumeur aidant, ça aurait contribué à faire naître tout un tas d'histoires sur l'existence de cadavres récupérés en grand secret par l'armée américaine dans le désert. Donc ça, c'est un des rapports. Donc ça, c'est un rapport du Congrès, le GAO, c'est le General Accounting Office, qui est l'équivalent de la Cour des comptes en France, qui donc va faire cette enquête, qui, on le voit là, le titre, donc les résultats de la recherche sur les documents concernant le crash de 1947 près de Roswell dans le Nouveau-Mexique. Donc c'est le rapport du Congrès américain sur cette affaire. Donc voilà en gros l'histoire du sujet des ovnis. On voit que depuis 1947, il s'est passé beaucoup de choses. On a cru plus ou moins au sujet, on s'est moqué de l'opinion, on a pris l'opinion au sérieux. Il y a comme ça énormément... La controverse sur les ovnis, ce n'est pas juste « j'y crois pas ». C'est il y a toute une histoire derrière tout ça et tout un tas de questions. Et selon les courants d'opinion auxquels on appartient, on est plutôt de telle ou telle tendance. Donc, derrière ça, il y a un sujet qui m'intéresse en tant que sociologue, notamment sociologue des sciences, c'est une fois qu'on a épuisé comme ça toutes les formes de polémiques qui se sont déroulées en 60 ans maintenant, est-ce qu'un sujet comme les ovnis peut être légitimement à l'origine d'une étude scientifique ? Est-ce que pour des scientifiques, ça pourrait être intéressant d'étudier une question pareille, ou est-ce que c'est une perte de temps? Donc on voit que la plupart des... à côté de scientifiques qui militent de façon très forte, comme Menzel dans les années 50, en disant il n'y a pas de soucoupe volante, c'est une croyance populaire, il faut lutter de toutes ses forces contre les scientifiques, contre la propagation de ce genre d'irrationnel populaire, on voit que la majorité des scientifiques, en fait, n'est pas opposée aux ovnis, c'est juste que le phénomène ne les intéresse pas. J'ai souvent eu l'occasion de discuter avec des collègues, d'animer des séminaires dans les cadres universitaires ou à l'Institut d'astrophysique à Paris ou ailleurs. Et ce qui ressort de l'attitude des scientifiques, ce n'est pas, comme on le décrit souvent, une hostilité farouche aux soucoupes volantes, c'est que la plupart des scientifiques ont un programme de recherche, ils peuvent être biologistes, astronomes ou physiciens ou autres, ils ont leur programme de travail qui est prometteur. Ils disent « là, je fais de la science, et étudier les soucoupes volantes, c'est un peu hasardeux, et je ne suis pas sûr d'en retirer un bénéfice sur le plan scientifique ». Donc, la plupart des scientifiques sont tout simplement pragmatiques, et ils ne sont pas a priori opposés ou anti-OVNI, c'est juste qu'ils se disent « c'est un peu hasardeux d'étudier un truc pareil, donc je reste sur mon programme de recherche, là au moins je sais ce que je fais, et je ne vais pas me perdre dans un sujet qui est pas très prometteur sur le plan... » On n'est pas sûr d'attraper le prix Nobel, en gros, en étudiant les ovnis. Donc, mais si on prend, si on s'intéresse de près aux relations entre sciences et sociétés, comme je montrais tout à l'heure, en dehors de l'attitude qui consiste à dire « les soucoupes n'existent pas, c'est un phénomène irrationnel », on peut aussi se dire, avec ces scientifiques qui sont apparus dans les années 60, que... L'OVNI témoigne d'un certain état des relations entre la science et la société. Et que ce n'est peut-être pas une perte de temps complète que de s'intéresser à une question qui intéresse le public, parce que peut-être qu'après tout, ce n'est pas juste pour de mauvaises raisons.
Donc c'est vrai que la plupart des observations sont rapportées par des gens qui ne sont pas scientifiques de formation, mais qui, quand on étudie tout ça, on se rend compte que ce n'est pas des canulars, ce n'est pas systématiquement des erreurs. Les gens ont vu quelque chose dans le ciel, et dans certains cas, on ne sait pas ce qu'ils ont vu. Alors, effectivement, il y a loin entre le fait de ne pas savoir ce qu'ils ont vu et le fait de conclure qu'on est envahi par les extraterrestres. C'est un pas qui n'est pas évident à franchir. Mais on peut aussi se dire que c'est une démarche légitime pour au moins certains scientifiques que de répondre à des questions qui sont posées par l'opinion. On le voit aujourd'hui avec tous les débats que j'évoquais sur les OGM, les nanotechnologies ou autres, il y a des relations, parfois de tension, mais très fortes entre l'opinion et les milieux scientifiques, et on n'est plus dans une société où il y a les experts qui, en gros, donnent leur verdict à un public qui le reçoit. On a des débats entre l'opinion, et les porte-paroles de l'opinion, et les milieux scientifiques. Et l'OVNI, historiquement, fait partie de ces sujets qui ont été à l'origine, comme ça, de polémiques publiques, qui sont intéressantes parce que elles nous permettent de voir un peu l'état des relations entre l'opinion et la science. Et elles nous permettent aussi de se dire que c'est peut-être pas tout à fait idiot de s'intéresser à un sujet pareil. D'abord parce que c'est légitime, quand on est chercheur, d'apporter des réponses à des questions, même si elles ne sont pas posées par d'autres chercheurs, même si elles sont posées par l'opinion. Et puis peut-être que si on étudie le sujet, il peut y avoir quelque chose à décortiquer. Donc, sur une question comme les ovnis, quand on épuise en gros le dossier, il y a un lot de phénomènes inexpliqués. On ne sait pas ce que les gens ont vu. Alors évidemment, le fait d'avoir une catégorie de phénomènes non identifiés, on n'est pas très avancé. C'est en gros une catégorie négative. On sait qu'on n'a pas l'explication, mais on aimerait bien connaître l'explication, surtout si elle est, si c'est pas une explication classique, si c'est pas un phénomène connu. Alors il y a deux pistes qu'on peut explorer. D'une part, l'idée que dans ce que les gens verraient, il y a des phénomènes naturels inconnus. Bon, parmi les ovnis, il y a un phénomène dont tout le monde a entendu parler ici, c'est la foudre en boule. C'est-à-dire que partant d'orage, il y a des gens qui disent avoir vu des phénomènes de globulaires, de boules de lumière, qui persistent pendant plusieurs minutes. Et on a tous entendu des histoires sur ces phénomènes de foudre en boule. Or, c'est un phénomène qui circule dans les annales scientifiques depuis plusieurs siècles, et on ne sait toujours pas ce que c'est. Au sens propre, c'est un phénomène aérospatial identifié, c'est un objet volant non identifié. C'est un phénomène qui est rapporté par des témoins, on n'a pas la solution, il semble tout à fait réel, mais on ne sait pas ce que c'est. Donc on peut tout à fait admettre que derrière les témoignages de gens qui disent avoir vu des ovnis, il n'y a pas juste des erreurs, et qu'une partie de ces témoignages correspondent à des phénomènes réels qui sont encore inexpliqués. Il y a encore quelques années, vous avez peut-être entendu parler de ces phénomènes qu'on appelle les sprites, les farfadets, les elfes, qui sont des phénomènes lumineux extrêmement intenses qui sont liés à la formation des orages dans la très haute atmosphère, dont on a accepté la réalité très récemment, dans les années 90, quand ils ont été filmés à partir de la navette spatiale. Pendant longtemps, il y avait des témoignages qui étaient rapportés, mais on ne savait pas trop quoi en faire et on ne les prenait pas au sérieux. Et à partir des années 90, ils ont été admis parmi les phénomènes réels. Donc on voit qu'il y a... Le ciel est encore plein de surprises et plein de choses à étudier dont on ne connaît pas l'origine et la nature. Et peut-être qu'un certain nombre de ces choses qu'on appelle OVNI sont comme ça des énigmes naturelles qui mériteraient d'être étudiées. Mais bon, il est aussi également évident que si on s'empoigne sur la question des OVNI depuis 60 ans en faisant des débats télévisés parfois extrêmement animés, c'est pas juste pour savoir s'il y a quelques phénomènes naturels inconnus de ce type foudre en boule ou autre. C'est également parce que depuis 60 ans, on discute plus ou moins régulièrement de l'idée que derrière les ovnis, il y aurait peut-être des visites d'extraterrestres. Alors, souvent, la réaction, c'est de dire, bon là, le sujet dérape, on n'est plus dans la science, on est dans l'irrationnel, et qu'il y ait des extraterrestres sur des planètes lointaines passe encore, mais qu'on soit visité par des extraterrestres, là, c'est plus sérieux. On est dans le mythe et pas dans la science. Alors, il se trouve qu'en science, il y a un débat dont on entend souvent parler sur la question de la pluralité des mondes. Il y a de plus en plus d'ouvrages qui sont publiés sur ce sujet. Il y a des recherches scientifiques qui sont faites. C'est l'objet de beaucoup de programmes de recherche scientifique. Et on a envoyé des sondes sur Mars pour savoir s'il y avait de la vie sur Mars. Et on est aujourd'hui... On
on explore les, en dehors du système solaire les autres étoiles, puisque depuis 1995, on sait de façon positive qu'il y a autour des autres étoiles également des planètes. Pendant longtemps, on savait donc qu'autour du Soleil, il y avait des planètes, notamment la Terre, mais on n'était pas sûr de pouvoir, si le phénomène était général. On ne savait pas si les autres étoiles ailleurs dans l'univers avaient également des planètes. On le soupçonnait, mais on n'en était pas certain. Depuis 1995, on sait que oui. On sait que, depuis les découvertes de Michel Mayor et Didier Queloz, on sait qu'il y a, autour de la majorité des autres étoiles, qu'il y a également des planètes qui tournent. Et on sait depuis peu de temps qu'il y a des planètes qui sont de type terrestre, c'est-à-dire des petites planètes de roche entourées d'atmosphères. Et il est donc de plus en plus probable que la vie soit peut-être apparue ailleurs. Donc, longtemps, ce qui a été un sujet de spéculation chez les philosophes depuis l'Antiquité est devenu maintenant, pas encore une certitude, mais une présomption assez sérieuse. On se dit qu'il y a peut-être de la vie ailleurs. Donc, c'est une question tout à fait intéressante. Et parmi les programmes tout à fait sérieux qui existent aujourd'hui, il y a des programmes d'études dans ce qu'on appelle l'exobiologie, donc l'étude de la biologie extraterrestre, qui consiste à essayer de détecter des planètes autour d'autres étoiles dont l'atmosphère serait de type terrestre. Et à partir d'un certain nombre de signes, notamment l'existence de certains types de gaz dans l'atmosphère, on pourra déduire s'il y a de la vie ou non. Donc on est peut-être tout proche d'une découverte majeure en histoire des sciences. Peut-être que demain, on va nous annoncer qu'on a découvert une planète autour de telle ou telle étoile, et que cette planète a une atmosphère de type terrestre et qu'il y a de la vie. Donc il faut s'attendre à ce que peut-être cette découverte soit faite. Auquel cas, donc, on a comme ça tout un débat qui, d'un côté, donc, cherche des formes de vie biologiques primitives, on va dire, mais des formes de vie ailleurs dans l'univers. Et il y a une partie des scientifiques qui se disent, s'il existe ailleurs de la vie dans l'univers, peut-être qu'il y a également des civilisations extraterrestres. C'est-à-dire pas simplement des microbes, des bactéries, des virus, dans la boue, les océans de planètes primitives, mais peut-être des mondes qui se sont développés comme le nôtre et qui, au fil des milliards, des millions d'années, ont développé des formes de vie intelligentes qui auraient développé des civilisations. Depuis les années 50, on discute de cette éventualité, mais maintenant c'est devenu un sujet très sérieux depuis le début des années 60, puisqu'on a certains scientifiques ont commencé à lancer des programmes d'études dans lesquels ça consiste à braquer des radiotélescopes vers le ciel en se disant, s'il y a des civilisations ailleurs dans l'univers, peut-être qu'elles ont développé des moyens techniques comme les nôtres, peut-être qu'elles envoient des émissions radio comme nous, on envoie des émissions radio dans l'espace, et donc on va essayer de les capter. Et on va essayer de voir si oui ou non, il y a non seulement des bactéries, des virus, des microbes extraterrestres, mais également des formes de vie plus développées et peut-être des civilisations ailleurs. Donc depuis le début des années 60, il y a eu tout un tas de programmes d'écoute radio du ciel, en se disant, on va peut-être découvrir quelque chose. Donc c'est ce qu'on appelle le programme SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, la recherche d'intelligence extraterrestre. Et alors il faut le préciser tout de suite, bien évidemment, la plupart des scientifiques qui travaillent dans le cadre de ce programme séparent très nettement les questions qui se posent de la question des soucoupes volantes. En gros, l'argument, c'est de dire, oui, il y a sans doute de la vie ailleurs, oui, il y a sans doute des civilisations ailleurs, mais les distances sont tellement grandes qu'il y a peu de chances que ces extraterrestres, s'ils existent ailleurs, soient capables de traverser l'univers et de venir nous voir. Nous-mêmes, on est à peine capables d'aller sur la Lune, sur Mars, et encore sur Mars, on rate la plupart de nos voyages, et dans le système solaire, on sort à peine du système solaire avec Voyager, Pioneer, qui sont des bouteilles lancées dans le vide spatial. Donc, on se dit qu'il y a loin entre aller sur la Lune et débarquer sur une planète autour d'une autre étoile dans la galaxie et a fortiori dans les autres galaxies. Donc, la vie ailleurs, oui, des civilisations ailleurs, sans doute, mais les soucoupes volantes, non. C'est sans doute autre chose, ça n'a rien à voir avec des visites extraterrestres. C'est là où le débat devient très intéressant, parce qu'en fait, donc on est tenté de rester sur cette idée que d'un côté il y a la question rationnelle, scientifique de la vie extraterrestre et de l'autre sujet de croyance, toujours éternellement sujet de croyance, les soucoupes volantes où une partie de l'opinion pense qu'on est visité par des extraterrestres, mais en gros c'est pas sérieux et si on veut faire de la vraie science, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Alors
Ceci dit, est-ce que c'est une question complètement illégitime? Est-ce qu'elle est totalement irrationnelle, cette idée qui consiste à dire que les ovnis, peut-être certains ovnis, correspondraient à des vies extraterrestres? Alors, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui soient susceptibles de nous apporter une réponse catégorique à cette question. Par contre, si on la replace dans le cadre du débat qui est né dans le cadre du programme SETI, donc depuis les années 50, depuis qu'on spécule comme ça sur l'existence de planètes extrasolaires, comme on dit, c'est une question qui n'est pas du tout irrationnelle et qui est même tout à fait légitime. En 1950, au cours de l'été 1950, à Los Alamos, donc à l'endroit où on avait construit la bombe atomique, il y avait toute une équipe de scientifiques autour d'un très grand physicien de l'époque, Enrico Fermi, qui aimait bien spéculer sur tout un tas de sujets. Et un jour, parmi leurs discussions, c'était au cours d'un déjeuner, ils se mettent à discuter de la question de la vie extraterrestre. Donc c'était une époque où on commençait beaucoup à discuter de ces questions-là dans certains milieux scientifiques. Et Fermi se livre à un petit calcul très rapidement, vu l'immensité de l'univers. En gros, donc autour de notre Soleil, il y a une planète, la Terre, sur laquelle il y a de la vie. De la vie, et de la vie intelligente et une technologie, des civilisations technologiques. Il se dit, vu le nombre d'étoiles qu'il y a dans la galaxie, dans notre seule galaxie, donc vu le nombre de planètes qu'il pourrait y avoir autour de ces étoiles, vu le nombre de galaxies qu'il y a dans l'univers et le nombre d'amas de galaxies, donc en gros, vu l'immensité de l'univers, Fermi se disait, mais il doit y avoir un nombre absolument incroyable de mondes habités. Mais il a fait également un raisonnement très rapidement, il s'est dit, mais s'il y a autant de mondes habités, vu l'échelle des temps dans l'univers, qui se compte en millions, en centaines de millions, en milliards d'années, il y a peut-être une partie de ces mondes qui sont nés ailleurs, qui sont beaucoup plus anciens que le nôtre. Nous, la vie sur Terre, c'est depuis 4,3 milliards d'années, et puis la vie organisée, c'est beaucoup plus récent que ça. Donc on est sur une planète qui est assez jeune, et il y a des mondes qui ont existé dans l'univers qui sont beaucoup plus anciens. Donc Fermi a fait ce raisonnement très rapidement en se disant, mais il y a peut-être énormément de mondes dans le cosmos qui sont bien plus anciens que le nôtre. Et tout de suite, il s'est dit, mais s'il y a des mondes qui sont plus anciens, non pas de 10, 15, 20, 100 ans, 1000 ans, mais de millions d'années par rapport au nôtre, comment est-ce qu'on peut se représenter notre civilisation dans un million d'années? Il faut, pour donner quelques repères, bon, on a commencé à voler dans les cieux à la fin du 19e, début 20e. On va dans l'espace, à l'époque d'Enrico Fermi, on n'allait pas encore dans l'espace. Notre civilisation, l'invention des sciences, c'est à peine il y a 400 ans. Galilée, tout ça, c'est il y a 4 siècles. Donc on est une civilisation extrêmement jeune. L'invention de l'écriture, c'est 6000 ans. Par rapport à l'échelle des temps cosmiques, c'est rien. Donc, à quoi ressemblera notre civilisation technique, pour peu qu'on survive jusque-là, dans 1, 10, 100 millions d'années? Et donc Fermi s'est dit, mais s'il y a des mondes aussi anciens ailleurs, et toutes les questions scientifiques qu'on se pose notamment sur les voyages, ils les ont résolues. Donc ils devraient être ici. Et c'est devenu ce qu'on a appelé dans les années 70 le paradoxe de Fermi. S'il y a de la vie ailleurs, comme on le soupçonne, il y a également des mondes qui sont tellement plus anciens que les extraterrestres devraient déjà être ici. La question, ce n'est pas est-ce qu'ils existent ou pas, c'est pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas. Et si vous consultez les revues scientifiques, notamment dans le domaine de l'astrophysique ou de l'astronautique, il y a énormément d'articles qui ont été écrits pour essayer de spéculer sur ce qu'on appelle ce paradoxe de Fermi. Pourquoi ces extraterrestres qui manifestement devraient exister, pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas? Alors on a suggéré que peut-être on était dans un zoo, une espèce de zone protégée, de réserve naturelle, et que les extraterrestres s'interdisaient de contacter une espèce aussi primitive que la nôtre, de peur qu'on fasse encore quelques erreurs. Donc, il y a d'autres hypothèses. Les civilisations sont peut-être... Il y a peut-être une constante qui fait que quand on se développe trop, on explose, en gros, grâce à nos inventions géniales comme la bombe atomique, avant d'avoir réussi à aller sur une autre planète. Enfin, il y a comme ça tout un tas d'hypothèses qui ont été proposées. Il y a même un livre qui a été publié il y a quelques années qui énumère toutes les solutions apportées au paradoxe de Fermi. Et alors, il se trouve qu'il y a une solution qui n'est mentionnée par personne, et qui, moi, m'intéresse beaucoup parce que je suis anthropologue, sociologue des sciences. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la diversité culturelle, pour prendre une expression qui rend compte de la démarche générale en anthropologie. Et s'il y a une chose qu'on observe dans toutes les situations de contact entre civilisations sur Terre,
c'est non pas le fait qu'on s'interdit le contact ou que le contact est impossible, truc comme ça. C'est que quand on est confronté à d'autres civilisations sur Terre, alors je rappelle qu'on est, quand même, on est tous des Homo sapiens sapiens, on a tous à peu près la même histoire, et pourtant quand on est confronté à d'autres civilisations sur Terre, on l'a vu avec les Espagnols qui débarquent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, ou toute la découverte des autres cultures, des cultures dites primitives un peu partout à la surface de la planète, la constante, c'est l'incompréhension. C'est-à-dire que chaque fois qu'on est confronté à une autre forme de culture, on n'y comprend rien. On voit qu'il y a d'autres êtres, on voit qu'ils ont des développements culturels, mais on n'arrive pas à comprendre quelles sont leurs caractéristiques. Et pendant longtemps, c'est à cause de ça qu'on a parlé des primitifs, des sauvages, et qu'on a classé tout un tas d'autres cultures comme étant arriérées, pré-logiques, pré-scientifiques et tout ce qui s'ensuit, tout simplement parce qu'on n'y comprenait rien. Et là, encore une fois, on est dans le cadre de civilisation où on est tous semblables, on est tous très proches, on partage tous quasiment la même histoire. Et en gros, tout ça est réuni dans un mouchoir de poche historique. On ne se comprend pas. Donc, la question que je pose, c'est que si on était confronté à des civilisations qui ne seraient pas simplement de... qui ne représenteraient pas quelque chose comme le contact entre les Espagnols du XVIe siècle et les Amérindiens, mais quelque chose donc entre nous et une civilisation extraterrestre qui serait plus vieille que la nôtre de millions d'années, en quoi est-ce qu'on pourrait l'appréhender, la comprendre? Ça serait quelque chose de totalement incompréhensible. C'est-à-dire que même s'il y avait des extraterrestres dans notre environnement, il faudrait s'attendre à ce que ça n'ait rien à voir avec tous les modèles qu'on a imaginés dans la science-fiction. Le coup de la soucoupe qui se pose devant la Maison Blanche et qui demande à parler au président. Ça, c'est des modèles tirés de la science-fiction populaire. C'est très gentil, c'est très pratique, mais il y a peu de chances que d'éventuels extraterrestres partagent les mêmes codes culturels que nous, au point d'avoir qu'une envie, c'est de parler à notre président. Donc, je pense que la question des ovnis, encore une fois, je n'ai pas la solution, je ne suis pas sûr, personnellement, que ça ait quoi que ce soit à voir avec les extraterrestres, mais je trouve que c'est une question qui est beaucoup plus intéressante qu'il n'y paraît, parce qu'elle nous invite à reposer, justement, à pousser dans ces retranchements ce paradoxe de Fermi, et à s'interroger sur la question de la différence culturelle, non plus dans le cadre des civilisations sur Terre, mais dans le cadre de l'hypothèse où il y aurait des civilisations ailleurs, qui est une hypothèse de plus en plus crédible scientifiquement, et de se dire, mais si un jour on envisage un contact, comment ça va se passer? Comment ça peut se passer? Et est-ce que ça... il est clair que de notre côté, si on est confronté à des extraterrestres qui sont capables de venir jusqu'à nous, ça va poser un sacré problème de compréhension, mais peut-être qu'il y a un gros problème de compréhension de leur côté aussi. Parce qu'on est peut-être une espèce extrêmement spéciale, on se rend compte tous les jours, on est quand même assez originaux, et donc on est peut-être une énigme profonde pour d'éventuelles civilisations extraterrestres. Donc on pourrait tout à fait imaginer, même sans penser aux ovnis, qu'effectivement il y ait des civilisations extraterrestres qui soient beaucoup plus proches de nous qu'on le croit, et qu'en fait ça nous soit tellement étranger, tellement différent, que ça soit invisible, non pas parce qu'ils ont un bouton sur le tableau de bord marqué invisibilité et ils disparaissent de notre champ de vision, mais tout simplement parce qu'ils sont tellement bizarres que même si on était confronté, ça serait totalement incompréhensible et inaccessible en gros à notre intellect. Donc voilà ce qui me permet de dire que derrière la question en apparence futile des ovnis, il y a peut-être tout un champ de réflexion, peut-être un peu métaphysique, mais tout à fait intéressant, qui ouvre des perspectives qui sont plus riches que à quoi on est habitué par les débats « j'y crois pas » que nous offre la télévision régulièrement. Voilà, je vous remercie, et si vous avez des questions, j'essaierai, dans la mesure du possible, d'y répondre. Eh bien, on va y aller pour les questions. Si vous en avez, vous faites signe, on vous donne le micro tout de suite. Voilà, une première question ici, Julie. Oui, bonsoir, Laurent Duval, représentant des repas ufologiques de Rennes. Alors, je vous remercie en tout cas, monsieur Lagrange, de venir ce soir. C'est sympa, en tout cas, de votre part, de dégager du temps pour un sujet très controversé. Je vais me mettre debout, comme ça, au moins, tout le monde me verra. Ça, le problème va être réglé.
Par rapport à certaines choses dont la science pourrait avoir des explications, si on prend le paradoxe de Fermi, j'ai une hypothèse, le paradoxe de Fermi-E, par exemple, la science pourrait avancer si déjà elle mettait tous ses moyens en place à chercher dans la direction des phénomènes. Or, aujourd'hui, la science s'occupe de segments dans des laboratoires avec des budgets. Voilà, vous allez étudier ça, vous allez chercher ci, et vous ne sortez pas du cadre. Si on réunit tous les éléments aujourd'hui technologiques sur Terre, il est probable d'envisager déjà de pouvoir isoler certains phénomènes dits extraordinaires, qui sont des phénomènes tout à fait naturels. Je me suis permis, moi, d'organiser ici à Rennes, de temps en temps, tous les deux mois, des repas pour parler de certains sujets observés, et surtout des sujets observés ici, à Rennes, en banlieue rennaise, en Bretagne, parce que c'est bien de parler de l'autre bout du monde, c'est bien de dire, voilà, il s'est passé quelque chose au Japon, en Chine, ceci, cela, aux États-Unis. Et j'ai remarqué que les gens aiment bien aussi les choses qui se passent en local. C'est beaucoup plus facile d'aller se rendre sur un lieu qui se trouve proche de chez soi que sur un lieu qui se trouve très, très loin, sur lequel il y a beaucoup de distance. Donc, concernant les moyens techniques sur Terre, en France notamment, il existe plein de laboratoires avec des instruments de mesure, quels qu'ils soient, que ce soit la météorologie nationale avec son réseau de radars météo, qui sont susceptibles de détecter ce type de phénomène, je vous le confirme, vous pourriez d'ailleurs le vérifier sur Internet. Il y a d'autres moyens de mesure, notamment mis en place depuis Tchernobyl, donc pour mesurer la radioactivité en France. Le réseau s'appelle Téléré, 180 sondes mesurent la radioactivité partout en France, tous les jours 24 heures sur 24. Donc si un phénomène se passe dans le coin à très basse altitude, il est susceptible, attention, hypothèse hein, qui reste à vérifier, d'avoir des mesures. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui en France et partout dans le monde, il existe plein de moyens, mais ils ne sont pas orientés pour la recherche de ce type de phénomène. Si vous demandez à un astronome amateur, est-ce que les avions existent ? Ça paraît une question complètement saugrenue. Bah, il n'en voit jamais dans son télescope, c'est normal. Il ne regarde pas les avions, il cherche des planètes lointaines. Si vous demandez à un radioamateur, est-ce que les fréquences radio bizarres, vous en avez déjà entendu ? Bah non, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire une communication soit en morse, soit en RTTI, ou en numérique, en tout ce qu'on veut. Mais ce type de phénomène ne l'intéresse pas. Donc en fait, si on fait un petit peu le balayage complet de ce que la science a aujourd'hui comme moyen technologique pour chercher, il suffit simplement d'ouvrir les yeux dans la bonne direction. Si vous ne regardez pas dans la bonne direction, vous n'avez aucune chance de voir quelque chose. En plus, le phénomène est tellement rare que de l'autre côté, il est difficile de pouvoir le renouveler. Voilà. Donc ma question, elle est simple. Je pense que la science... Ah ! Et je vous tiens, je ne vous lâche pas. Hein. Ma question est simple. Est-ce que la science peut avancer ? Oui, il suffit simplement, en tout cas. Est-ce que vous avez un début de réponse par rapport au comité de pilotage sur lequel vous êtes, vous, membre de l'association ? Est-ce que la science a vraiment mis tous ses moyens pour rechercher dans ce sens et non pas simplement dans un sens purement scientifique sur des problématiques classiques de cours d'études, etc. Merci. Il y a une première chose que je voudrais dire. Je pense qu'on ne peut pas demander à la science de mettre tous ses moyens sur les ovnis. Une partie. Voilà. Mais je crois qu'il faut bien se rendre compte que... Moi, je travaille dans le milieu universitaire, scientifique et tout... mes collègues n'ont pas de raison a priori de s'intéresser à ce qui m'intéresse. Il faut que arriver à les convaincre. Oui. C'est vrai dans toutes les activités humaines. On ne peut pas débarquer chez les gens en leur disant « Bon, dorénavant, vous faites ce que je fais. Voilà, vous suivez et vous intéressez à ce qui m'intéresse. » Non, que ce soit les timbres ou les ovnis. Le vrai problème, je pense, sur ce genre de sujet, c'est aussi d'aller vers les scientifiques, non pas en ayant comme ça une demande très ferme, mais en leur montrant que ça peut être intéressant. Donc il y a toute une stratégie d'intéressement et qu'il faut faire sur les ovnis. Moi, ce que je vois souvent dans les milieux d'amateurs, c'est des gens qui sont convaincus de l'intérêt du sujet et qui ne comprennent pas que le reste du monde ne s'intéresse pas aux ovnis. Non, c'est normal que le reste du monde ne s'intéresse pas à ce qui nous intéresse. C'est aussi normal de faire un effort pour convaincre. Alors, à côté de ça... Donc, demander à la science, en gros, de s'intéresser massivement aux ovnis, je pense que on n'y arrivera pas, c'est pas réaliste. Les scientifiques ont autre chose à faire, en gros. Par contre, sur cette histoire d'effectivement de détection ou de travail instrumental, il se trouve que quand c'était en 2004, donc quand le comité de pilotage au CNES, là, du GEPAN, s'est réuni, on m'a demandé donc de faire quelques propositions. Et c'est vrai qu'un des points que j'ai soulevé, c'est que peut-être qu'il fallait sortir de ce débat sans fin sur la valeur des témoignages ou autre, parce que c'est une espèce de débat dans lequel on est englué depuis 60 ans, mais dont on ne sort pas et qui ne permet pas vraiment de sortir du sujet.
et de faire ce qui se fait en science tous les jours. C'est-à-dire qu'effectivement, la science ne consiste pas à attendre que la nature se manifeste à nous, mais consiste à mettre en place des réseaux, des laboratoires, des instruments pour capter les phénomènes de la nature et les étudier. Donc, sur les ovnis, il n'y a pas de raison de procéder différemment. Si on suppose qu'il y a des choses qui se passent dans le ciel, qui sont vues, donc il y a des phénomènes qui se déroulent, ben, il faut arrêter de débattre sans fin sur le rationnel, l'irrationnel, les témoignages humains ou autres, et tout simplement mettre un certain nombre de moyens, alors ça c'est dans le cadre du CNES, c'est-à-dire pas demander aux autres chercheurs de s'intéresser aux ovnis, mais dire, par exemple, prendre un exemple très simple, il y a en France des tas de réseaux d'astronomes amateurs dont l'activité c'est d'observer le ciel, et qui sont experts dans ce domaine, qui savent observer le ciel. La plupart des gens qui voient des ovnis, qui rapportent avoir des ovnis, sont des gens comme vous et moi, qui ne sont pas experts de l'ensemble des phénomènes célestes. Donc souvent, on se trompe. Et puis, on n'a pas le vocabulaire pour rapporter précisément, pour estimer des durées, des altitudes, enfin, toutes ces choses-là. Les astronomes amateurs, eux, sont équipés de ce point de vue. Et statistiquement, quand on fait des enquêtes, on se rend compte, on sait que parmi les astronomes, il y a un pourcentage d'entre eux qui font des observations de phénomènes inexpliqués. Simplement, ça se perd parce qu'eux ne sont pas intéressés. Et puis, il faut le dire, ils n'ont pas tellement envie d'être associés à l'idée de soucoupe volante. Mais en établissant un protocole d'accord, le CNES pourrait très bien passer, est en train de le faire d'ailleurs, à la suite de ses recommandations, donc de mettre en place un protocole d'accord avec des astronomes amateurs, leur disant, quand il vous arrive d'observer des phénomènes bizarres, eh bien, vous remplissez le formulaire B8, vous nous l'envoyez, et comme ça, on aura des données intéressantes sur ces sujets. Et comme ça, c'est peut-être une autre stratégie pour recueillir des données et arriver à discuter sur des bases un peu plus solides de ces phénomènes bizarres qu'on observe dans le ciel et sur lesquels on n'a toujours pas de réponse. Donc, ma réponse, ça serait un peu plus entre deux, quoi. C'est pas de dire aux scientifiques, intéressez-vous aux ovnis, c'est, voilà, vous avez des compétences, vous avez des instruments, vous avez des choses, et il peut vous arriver de capter des trucs qui nous intéressent, au lieu de les jeter à la poubelle, envoyez-les au CNES, il y aura des gens que ça peut intéresser. Merci. Merci. Une autre question ? Alors, on va essayer de faire un peu plus court pour la question, puis peut-être un peu plus court pour la réponse aussi, d'ailleurs. Oui, moi, ça va être très court. Pour qu'il y en ait plus. Je suis impressionné par l'historique que vous avez fait de toutes ces questions. Mais je suis très étonné, cher Monsieur Lagrange, que vous ne nous ayez pas rappelé le nom de ce directeur de recherche au CNRS, quand même. Je crois qu'il s'appelait Petit. Jean-Pierre Petit, n'est-ce pas ? Qui a écrit au moins deux ouvrages, j'en ai lu un, sur UMNO et les UMNITES. Enfin, je ne sais pas comment on prononce. U2MO. U2MO. UMNO. UMNO. Voilà. C'est une planète extraterrestre. Et donc, est-ce que vous n'accordez pas de crédit à ce travail de quelqu'un qui a laissé une partie de sa vie ? Ou bien est-ce que le titre scientifique de cet auteur a été usurpé et qu'il fait illusion auprès de naïfs de mon genre ? Qu'en est-il ? Merci. Alors, Jean-Pierre Petit est maintenant à la retraite, mais il est directeur de recherche au CNRS et spécialiste de magnétohydrodynamique et de cosmologie. Il est l'auteur de nombreuses publications scientifiques dans des revues tout à fait prestigieuses, donc c'est absolument pas un faux scientifique, un usurpateur, absolument pas ça. Et c'est quelqu'un qui s'intéresse depuis le début des années 70 aux ovnis, effectivement, et qui pense que la magnétohydrodynamique donc est une solution au problème de la propulsion des soucoupes volantes. Il a même écrit une bande dessinée, Le Mur du Silence, chez Belin, qui explique tout ça. Alors, moi, ma position... Alors, en plus, il a écrit effectivement plusieurs ouvrages dans lesquels, c'est là où l'histoire s'est corsée avec Jean-Pierre Petit, c'est que... c'était quoi, au fin des années 80, vers 90-91, il a commencé à publier plusieurs ouvrages dans lesquels il a expliqué que ses idées, en tant que chercheur scientifique, il les avait trouvées dans des courriers prétendument envoyés par des humites, dont des extraterrestres, qui auraient une délégation sur Terre et qui, comme ça, se seraient glissés parmi la population. Ils nous ressemblent assez, ils ont l'air d'un peu de grands Scandinaves, des grands blonds. Et donc, ils auraient des colonies un peu partout, notamment en Espagne, et ils enverraient des courriers aux gens, et notamment à des scientifiques,
en leur expliquant tout un tas de questions physiques, philosophiques. Il y a énormément de choses dans ces courriers. Les courriers existent, hein, ça représente des milliers de pages. Je crois qu'il y a quelque chose comme 6000 pages qui ont été produites depuis la fin des années 60, beaucoup en espagnol. Et Petit, là-dedans, a trouvé des idées qu'il a exploitées sur le plan scientifique. Alors, autant vous le dire tout de suite, moi, il se trouve que je connais des enquêteurs espagnols qui ont travaillé sur cette histoire humo, ces enquêteurs pensent avoir résolu l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a un type en Espagne qui s'appelle Jordán Peña, qui est très mêlé à cette histoire d'humo et qui est, semble-t-il, l'auteur d'une partie de cette littérature. Alors, ça n'épuise pas la question de l'éventuelle inventivité. C'est-à-dire qu'effectivement, que n'importe qui peut avoir des idées, même des idées brillantes. Et en l'occurrence, je pense que c'est Petit qui a des idées brillantes. C'est-à-dire que je connais bien Jean-Pierre Petit, à une époque, je l'ai pas mal fréquenté, et je peux vous assurer que c'est un type extraordinairement créatif, et qui, avec, comme certains scientifiques, en voyant deux bouts de bois, va vous faire une théorie scientifique. Donc, je ne suis pas persuadé que les humides soient des extraterrestres géniaux, mais par contre, je suis persuadé que Jean-Pierre Petit est un type qui a énormément de talent et qui, à partir de trois fois rien, peut faire des théories cosmologiques ou des théories scientifiques tout à fait valables. Et la meilleure preuve, c'est que ces articles basés sur les courriers humides ont été publiés dans des grandes revues scientifiques. Alors, je sais bien qu'il ne sera pas d'accord avec moi. Lui, il pense qu'il y a effectivement des extraterrestres qui sont installés sur Terre et qui envoient des courriers. Là, il se trouve que la charge de la preuve est quand même assez élevée et c'est assez difficile à établir. Il faudrait mettre la main sur un de ces humides et voir un peu comment ce qui le différencie de nous. Ce qui serait peut-être pas très sympathique, mais enfin bon, on comprend qu'il se cache. Mais bon, voilà, il y a une énigme, mais l'énigme, c'est plutôt celle du cerveau génial de Jean-Pierre Petit, je pense. Oui, alors attendez, une question là-haut, puis après, je prends mon petit copain là-bas. parlez bien dans le micro, on ne vous entend pas. Allô ? Oui, ah, voilà. Donc ma question se porte sur les cas d'observation qui ont été, des cas d'observation d'apparition d'OVNI. J'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que tous les cas ont été observés aux États-Unis et en Europe. Donc ma question c'est, est-ce qu'il n'y a que les Européens et les Américains des États-Unis qui s'intéressent à la question, ou est-ce que aussi c'est un cas général dans le monde ? Qu'est-ce que cela, ça révèle pas aussi peut-être un comportement de société ou quelque chose comme ça ? C'est clair que l'OVNI, c'est lié à la culture occidentale. Je veux dire, même s'il y a un phénomène réel, il y a aussi un phénomène culturel. Et si vous analysez les cultures, les autres cultures, je veux dire, ou les cultures passées, de tout temps, on a observé des choses dans le ciel. Par contre, on peut tout à fait comprendre que dans une culture aborigène ou autre, un phénomène céleste sera interprété tout à fait autrement que la façon dont on l'interprète nous. Donc, on observe des choses partout. Simplement, il se trouve que c'est vrai que c'est en Occident qu'on lui donne une certaine signification et qu'on le discute dans le cadre de certaines hypothèses. Donc je pense que la réponse, elle est là. C'est-à-dire qu'il y a effectivement un clivage culturel qui est lié au fait que c'est nous qui avons fait naître le débat sur les ovnis et le débat sur la pluralité des mondes habités. Mais en cherchant bien, on peut trouver des observations ailleurs. Simplement, c'est lié à d'autres systèmes de pensée, d'autres cas d'interprétation. Donc voilà, il faut être toujours très prudent quand on essaye d'assimiler ou de rapprocher comme ça les différentes perceptions culturelles. Mais l'OVNI est essentiellement un phénomène occidental. Mais par exemple, dans la fin des années 70, juste un exemple, quand la Chine s'est ouverte à la culture occidentale, ben, les OVNI se sont engouffrés avec le Coca-Cola et les jeans et le rock'n'roll. Et on a vu comme ça des magazines être publiés, des ouvrages et tout, et des témoins se signaler. Donc, il y avait un phénomène dormant, en gros, qui demandait qu'a éclaté au grand jour. Donc voilà, au fur et à mesure que, en gros, notre culture gagne, aujourd'hui, il y a peu d'endroits sur Terre qui ignorent l'existence des soucoupes volantes. Alors, notre petit ami tellement fan de tous ces sujets, vas-y, pose ta question. Est-ce que il y a plein de gens qui ont témoigné d'avoir vu des ovnis, mais est-ce qu'il y en aurait qui auraient pris des photos ? Oui, il y a plein de photos, oui. Donc les témoignages, quand on fait des estimations statistiques, c'est des millions de témoins dans le monde depuis 60 ans. C'est un fait. En gros, dans une population normale, c'est 7% de la population. Donc ici, je ne sais pas combien il y a de personnes, mais en gros, 7% d'entre vous a vu, il y a un certain nombre de personnes qui ont certainement vu des je ne leur demanderai pas de se dénoncer ce soir, mais c'est probable. Et donc voilà, en gros 7%, et effectivement il y a tout un tas de photos, les livres sont pleins de photos d'OVNI. Alors le problème des photos d'OVNI,
c'est que quand elles sont floues, on dit elles sont floues, on ne peut rien en faire. Et quand elles sont nettes, on dit on voit les boulons de la cafetière et tout, donc, ou l'enjoliveur, ce n'est pas très crédible. Donc en fait, c'est extrêmement difficile à évaluer parce que c'est des documents qui sont produits dans un cadre privé. Et effectivement, en science, on utilise la photographie, mais c'est encadré, c'est pris dans tout un réseau qui fait que les documents sont validés. Le problème des photos d'OVNI, c'est que c'est extrêmement difficile à évaluer. Et puis en plus, de nos jours, les capacités pour truquer un document sont quasi infinies, donc c'est extrêmement difficile de détecter les trucages aujourd'hui. Monsieur, allez-y, vous... Je crois qu'on a différentes observations qui auraient été recoupées et qui auraient pu être positives. Alors, il n'y a pas de démarche systématique. Donc c'est ça le problème. C'est-à-dire que depuis 60 ans, il y a eu tout un tas d'affaires de détection radar, d'analyse de traces et autres. Donc il y a un certain nombre de cas qui sont énigmatiques. Mais entre le fait d'être énigmatique et le fait d'avoir une réponse, justement, il y a souvent loin. Donc le vrai problème par rapport à ce sujet, c'est qu'il faudrait qu'il y ait une démarche qui soit un peu plus standardisée et un peu plus systématique pour arriver sur le long terme à voir s'il y a effectivement des corrélations qui peuvent être intéressantes. Aujourd'hui, ça a souvent été le résultat de coups de chance, quoi. Observation par des pilotes, détection radar de l'aérodrome ou d'aérodrome militaire ou des choses de genre, ou analyse de traces, détection d'influence sur les plantes ou des choses comme ça. Mais c'est toujours très controversé parce que voilà, le sujet est en lui-même très controversé. Donc dès qu'il y a un élément supplémentaire, ça génère des controverses de plus parce que comme c'est le résultat un peu de découverte un peu par hasard, les gens se disputent et il manque justement des protocoles un peu standardisés pour arriver à aller un peu plus loin et profiter de ces éventuels recoupements et études par des outils techniques. Alors il y a une question là-haut. Oui, on viendra monsieur tout à l'heure. Une question en haut à droite. Oui. Faites voir, vous avez repéré. Oui, votre excellente conférence me fait paradoxalement penser au propos de Jacques Monod qui disait « L'homme sait enfin qu'il est seul perdu dans l'immensité indifférente de l'univers d'où il est né par hasard ». Et donc, on sait maintenant que, enfin, l'homme sait maintenant qu'il n'est plus sûr d'être seul dans l'univers. Et je suis de ceux qui pensent que c'est une excellente chose. C'est une constatation, c'est pas... Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que Monod avait lancé cette idée qu'on était résultat du hasard et de la nécessité. Et qu'on était donc on était seul, quoi. Il n'y avait pas de vie ailleurs. À l'époque, le débat était déjà assez intense. Je pense que malheureusement, c'est vrai que on se rend compte qu'il y a sans doute de la vie ailleurs, mais comme justement, il ne faut pas perdre de vue l'énorme distance qu'il peut y avoir entre nous et d'éventuels extraterrestres. C'est à la fois quelque chose de rassurant. Je ne sais pas si on peut dire que c'est rassurant. Il y a aussi des gens qui s'inquiètent du fait qu'il puisse y avoir des extraterrestres. Et il y a des gens qui sont contre, par exemple le programme SETI, qui estime qu'envoyer des signaux dans l'espace, c'est en gros donner les clés à des extraterrestres pour nous envahir. Ils disent c'est complètement fou ce truc, ils devraient être enfermés les gens du programme SETI. Donc c'est à la fois rassurant, et comme les distances justement, culturelles, biologiques et autres sont telles, on reste quand même très isolé. Et je me dis, quand est-ce qu'on pourra éventuellement avoir une réponse positive à l'idée que non seulement il y a de la vie ailleurs, mais une vie dotée d'intention. Et là, ça pose des problèmes qui sont extrêmement difficiles parce que on a beaucoup de mal à comprendre sur Terre donc les cultures qui sont en gros dites primitives. En fait, tout ça est très compliqué parce qu'elles sont très très sophistiquées ces cultures. C'est justement pour ça qu'elles sont complexes à comprendre. Mais en gros, c'est nous qui faisons le déplacement vers eux souvent. Donc, s'il y a des extraterrestres qui sont capables de venir jusqu'à nous, là, c'est nous qui avons un problème. Comment appréhender
un phénomène à qui revient en gros l'initiative. Parce que là, ce n'est pas à nous de déclarer le contact, c'est à eux éventuellement de faire la démarche. Donc là, ça pose un tas de questions qui sont tout à fait extrêmement complexes. Alors, je pense que la question de la pluralité, effectivement, est quelque part rassurante, puis ça peut nous rendre aussi responsables. On n'est pas, si on fait sauter la planète, donc c'est pas juste nous qui sommes en cause, qui sommes concernés, mais les distances restent effrayantes, quoi, quelque part. Alors, il y a plusieurs questions. Alors, attends, Irina, il y a une question là-haut, à la mezzanine, dans la mezzanine, et j'y avais pas. Et bonsoir. Je voulais simplement vous demander pourquoi, même quand on n'a pas forcément envie d'y croire, on voit par exemple les Américains mettre beaucoup d'énergie à entretenir le mystère autour de la zone 51, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu énervant parce qu'on ne sait pas pourquoi ils continuent à faire fantasmer un petit peu la population avec ça. Et puis j'avais une autre question un peu par rapport à ça. J'ai entendu parler aussi d'une résolution des Nations Unies disant que si un vaisseau, enfin un ovni s'écrasait, l'armée avait pour ordre de détruire toutes les preuves. Alors ça c'est pareil, ça entretient toujours un petit peu, même si on ne veut pas y croire, ça laisse toujours des portes ouvertes quoi, à l'imagination. Bon, la zone 51, c'est un peu normal qu'il y ait du mystère, c'est une zone d'essai militaire dans le Nevada qui est destinée à notamment à tester tous les nouveaux appareils militaires, à l'époque le F-117, des projets Aurora, enfin tout un tas de trucs dont on ne sait pas trop ce qui existe ou pas. Donc c'est normal qu'il y ait une part de mystère, c'est une zone confidentielle de tests militaires. Alors après, il y a tout un folklore qui s'est développé sur les moteurs qui équipent tel truc, ça ne serait pas des moteurs de chez nous, mais qui viendraient de la soucoupe de Roswell. Là, j'avoue que je n'ai rien à dire là-dessus. Mais voilà, bon, ça fait partie des secrets militaires et ça génère énormément de spéculations, de littérature et de folklore. Sur la résolution de l'ONU, alors là, vous m'apprenez quelque chose, parce que je trouve que ça serait quand même un peu imprudent de la part de l'ONU de dire, si vous mettez la main sur le truc, bon, vous détruisez tout, puis on n'en parle plus. C'est quand même... Bon, d'abord, c'est une opportunité gâchée, qui est un peu malheureuse, et ça me paraît totalement inconscient, et je pense que ça fait peut-être partie de toutes ces rumeurs qui circulent sur Internet, qui sont plus ou moins vérifiables, et souvent invérifiables. Si vous avez des informations précises, je veux bien, mais là, j'en sais pas plus, quoi. Alors, Irina, oui, monsieur en face de vous, je crois. Mm-hmm. Oui, bonjour. Donc, en fait, moi, je croyais que la physique, quand même, on a, toutes les lois de physique s'appliquaient à l'univers connu. Et donc, la vitesse de la lumière était la vitesse maximale qu'on pouvait atteindre, même si elle est impossible à atteindre. Donc, je me demandais justement, même en voyageant à la vitesse de la lumière, les extraterrestres pourrait jamais voyager tant d'années-lumière. Et donc comment, enfin je veux dire, je suis un peu confus, hein, désolé. Non mais ce que je voulais dire, c'est que selon la physique, la vitesse de la lumière, c'est la vitesse maximum, et théoriquement elle n'est pas dépassable, et même s'ils arrivaient à cette vitesse-là, ils pourraient jamais se rendre très très loin, ou alors faudrait qu'ils vivent des millions d'années dans leur vaisseau, mais à la limite, quand ils seraient arrivés, ils sauraient même plus pourquoi ils sont partis. Enfin, ce sera. Hein. Oui. Ce serait un peu. Oui, le problème, c'est que notre physique, encore une fois, bon, là, c'est de la spéculation pure, mais c'est vrai que notre science est très jeune. Notre conception de l'univers est très intéressante, mais c'est également le résultat de notre connaissance actuellement. La structure de l'univers est l'objet de débats intenses parmi les astrophysiciens, les physiciens et autres. Et on peut s'attendre à ce que notre science, dans quelques dizaines, centaines ou à fortiori milliers d'années, ait fait énormément de progrès. Et peut-être que même si la vitesse de la lumière est une vitesse limite, il y a tout un tas d'hypothèses faites par les cosmologistes sur l'existence de trous de verre ou autres qui pourraient laisser suspecter qu'il y a des façons d'aller plus vite d'un point à un autre dans l'univers. Jean-Pierre Petit, d'ailleurs, avait spéculé sur des modèles d'univers jumeaux qui permettaient comme ça des circulations ultra rapides d'un endroit à l'autre de l'espace. Donc, c'est gratuit, on n'en sait rien. Mais je parierais que notre science, si on arrive là dans X années, aura fait des progrès, entre guillemets, et qu'on maîtrisera tout un tas de choses qu'on ignore totalement aujourd'hui.
Et j'espère qu'on n'est pas condamné à rester sur notre planète et à nous traîner, faire des sauts de puce entre les planètes du système solaire, parce que sinon, ça serait comme perspective d'avenir, de futur lointain, c'est un peu triste. Et peut-être que les extraterrestres ont fait quelques découvertes géniales, et comme dans le film Contact, là, qui était fait d'après le livre de Carl Sagan, ils ont trouvé le moyen de circuler comme ça dans l'univers, peut-être même en empruntant des choses qui auraient été laissées par des civilisations beaucoup plus anciennes. C'est de la science-fiction, hein, mais bon, c'est aussi un outil qui n'est pas interdit de s'en servir pour faire fonctionner son imagination. Mais je n'ai pas de réponse à donner. Alors, monsieur, vous vouliez poser une question, voilà. Je trouve que vous n'avez pas évoqué un point, c'est-à-dire que dans les observations d'OVNI, on parle beaucoup d'observations dans le ciel, mais il y a un autre, comment dirais-je, moi j'ai lu dans le livre de Jean-Claude Bourret, là, le dernier défi des OVNIs, des rapports de gendarmerie, des rapports de gendarmerie qui sont vraiment rigoureux, c'est pas Jean-Claude Bourret qui les a inventés. Alors, je ne dis pas que c'est en lien direct avec les ovnis, mais souvent, vous avez je pense notamment à un cas où le témoin est revenu chez lui disant qu'il avait vu un ovni. Il est resté 3 jours aveugle, pratiquement. À chaque fois qu'on voulait lui parler, il essayait de bredouiller. Ensuite, quand il a été un peu mieux... les gendarmes lui ont dit ben, « on veut bien te croire, mais si tu pouvais, il faudrait que tu nous emmènes sur le lieu où tu aurais vu un engin, puisque c'était proche, donc il pouvait localiser le champ, c'était près de chez lui. » Et les gendarmes ont essayé de l'amener 3 fois, et la première fois, il s'est évanoui quand il est arrivé sur les lieux, la deuxième fois aussi, la troisième fois aussi. C'est le cas de Petite-Île ? À la Réunion. Réunion, oui. À la Réunion. Comment vous dites ? Petite-Île, je crois. Je pense que c'est ça, oui. Oui, c'est le cas. Donc, moi, je ne dis pas qu'il y a un lien. Je ne sais pas si c'est un ovni qu'il a vu. Il dit qu'il a vu des... À un moment donné, il dit qu'il a vu ou cru voir des humanoïdes que lui identifie plutôt à des robots. C'est-à-dire qu'ils sautaient un peu comme les bonhommes Michelin, quoi. Ça peut être un fantasme. Mais ce que je veux dire, c'est que... Bon, est-ce qu'il est venu ou pas ? Il y a quand même un phénomène là qui dépasse un peu l'entendement. Et c'est souvent, il y a souvent des rapports où ce sont les rencontres du troisième type. Quoi. Donc voilà. Oui, alors bon, sur les cas anciens, c'est vrai qu'à partir des années 50, quand les ufologues sont apparus, ils ont cherché dans les livres avant 1947, et ils ont trouvé donc, dans la presse américaine du 19e siècle des observations d'archives, de choses bizarres et tout. Et au-delà, on parle des prodiges au 16e siècle et tout ce qui s'ensuit. Alors, il y a des choses qui peuvent être reliées éventuellement aux ovnis. Il faut aussi se méfier, notamment quand on s'intéresse aux observations au XVIe siècle et dans l'Antiquité. Il n'y avait pas la même conception du rapport d'observation qui est lié à notre culture scientifique. Au XVIe siècle, par exemple, il y avait énormément de publications populaires qui étaient publiées, qui rapportaient des prodiges, des dragons, des armées célestes et tout ce qui s'ensuit. Souvent, c'était des trucs qui recopiaient des choses antérieures. Donc, c'est toujours très difficile d'établir le caractère, la factualité des événements. Et alors, quand on traite, il y a par exemple des gens qui disent dans la Bible, il y a des observations d'ovnis, le livre d'Ézéchiel, il observe des roues, des chérubins et tout. Donc, il y a des gens qui ont fait le rapprochement. Là aussi, il y a énormément de symbolisme dans ces récits, donc c'est extrêmement difficile de les interpréter au premier degré. Donc il faut être toujours très, très prudent avec ça, mais il est clair que des choses dans le ciel, il y en a eu de tout temps. Simplement, il n'y avait pas toujours la préoccupation scientifique qui est celle de notre époque. Et alors, par rapport aux observations comme ça, très complexes du troisième type, l'histoire de Petite-Île et bien d'autres, il y a comme ça tout un tas de cas très troublants. Bon, il y a un cas à Valençon le 1er juillet 65, un paysan qui a observé deux nains dans son champ de lavandin à côté d'un espèce de truc en forme d'œuf qui a décollé un peu après. Donc il y a des choses comme ça très étranges. Le problème, c'est qu'on est vraiment dépourvu face à ces récits, comment les interpréter ? Parce que souvent, on a quelques vagues traces qu'à l'époque, qui n'ont pas été analysées dans de bonnes conditions et tout. On a le témoignage, la plupart des témoins sont tout à fait sincères. Mais voilà, comment est-ce qu'on interprète un truc pareil ? On a aussi des cas, c'est pas pour dire que c'est tout comme ça, mais on a des cas où des gens ont confondu avec des pilotes d'hélicoptères, tout comme ça. On a des cas comme ça identifiés. Alors, moi, mon idée, c'est que
même si on imagine qu'effectivement il puisse arriver qu'on soit confronté à, disons, une forme d'intelligence extraterrestre et qu'il leur arrive de débarquer, pour employer un terme très lié à nos techniques, chez nous, c'est clair que quelqu'un d'entre nous qui serait confronté à un truc pareil serait tellement dépourvu d'outils pour pouvoir le décrire que fatalement on serait obligé de le déformer en fonction de stéréotypes culturels. Donc ça pose un vrai problème qui est celui de notre capacité à rapporter, à observer quelque chose qui est fondamentalement étranger. Encore une fois, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, mais là, il y a une vraie difficulté en termes anthropologiques, qui est comment comprendre et comment observer quelque chose qui est en dehors de nos codes culturels. Voilà, j'en sais pas tellement plus là-dessus. Voilà, encore une question là-haut, et je pense que ce sera la dernière. Oui, bonjour. Alors... Je vais essayer d'être bref, et ma question peut sembler ridicule a priori, mais il faut l'écouter au complet pour bien comprendre. Vous avez parlé beaucoup des ovnis et tout ça, mais un sujet que vous avez juste abordé au tout début, que vous n'avez pas retourné ensuite, c'est les enlèvements, en fait. Uh-huh. Et puis, je viens du Québec, alors du coup, aux États-Unis, c'est extrêmement commun, tout le monde en parle. Et une constante qui revient, en fait, c'est ils se font enlever et ils se font sonder avec des sondes anales. Et du coup... vient la question 1. Pourquoi est-ce que des extraterrestres traverseraient des millions d'années-lumière pour venir sonder, sonder les humains? C'est vraiment pas la partie évidemment. La plus c'est pas la partie la plus intéressante. Mais allez savoir. Mais qu'est-ce qui c'est une question qui est lancée, mais c'est pas vraiment à vous de répondre à ça. Mais la question de base serait plus est-ce que vous savez des trucs sur les enlèvements et est-ce qu'il y a des trucs rapportés un peu sérieux ou c'est juste un peu ce que des sondes anales et tout. Alors un sondage, c'est le cas de le dire. Bon, c'est vrai que c'est un phénomène qui nous paraît un peu bon, on voit la réaction des gens. Aux États-Unis, c'est un phénomène qui date donc du début des années 60. Il est beaucoup plus sérieux qu'il y paraît. Alors, là encore, je ne sais pas quel est le lien objectif avec l'ensemble du dossier des ovnis. Parce que c'est vrai qu'on passe de gens qui ont vu des phénomènes dans le ciel, éventuellement des trucs au sol, éventuellement des pilotes. Bon, là, ça reste encore assez... on arrive à appréhender ça. Et encore, ça devient compliqué avec l'histoire de pilotes. Mais des gens qui, effectivement, disent avoir été enlevés, avoir subi des examens médicaux et tout ce qui s'ensuit, avoir une amnésie, puis des souvenirs qui reviennent de façon confuse ou autre... Là, on est dans un dossier qui est très complexe, notamment parce qu'il fait appel à toutes les techniques psychothérapeutiques, notamment à l'hypnose, qui n'est pas un sérum de vérité. Et il faut oublier cette idée que l'hypnose nous permet de faire émerger des souvenirs quasi photographiques. Notre cerveau transforme les événements. Et on sait donc qu'on ne peut pas complètement s'y fier. Mais il n'en reste pas moins qu'il y a un dossier qui est extrêmement complexe et dont on ne sait pas où... finit l'objectivité ou commence la subjectivité. Mais il y a un certain nombre de stéréotypes qui sont développés sur ces expériences, sur ces tests médicaux que subiraient les gens. Alors évidemment, ça a un côté très étrange par rapport à Jacques Vallée, que j'ai cité tout à l'heure, faisait remarquer que si des extraterrestres voulaient avoir des informations sur notre biologie, il leur serait plus facile d'aller cambrioler une banque du sang la nuit sans être embêté par personne et d'emporter tous les échantillons qu'ils veulent, plutôt que d'enlever une personne de temps en temps sur une route américaine, ce qui crée une pagaille conséquente. Donc... on ne sait pas comment appréhender. Là, on est face à quelque chose qui est extrêmement difficile à analyser. Il y a des enquêtes sérieuses qui ont été faites aux États-Unis par des chercheurs, des psychologues ou autres. Et il y a une part culturelle très importante dans ces récits. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus complexe que ce que l'impression ça peut nous laisser quand on l'évoque comme ça rapidement. C'est un vrai sac de nœuds, cette histoire des enlèvements. Là aussi, vous voyez, on a beaucoup de points d'interrogation et malheureusement peu de réponses sur une partie du dossier. Enfin, moi, j'ai pas en tous les cas les réponses. Claude Vorillon. Oui. Non. Oui. Enfin, oui, il a rencontré des extraterrestres dans des conditions très confortables. Oui. 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 Il a de la chance. Il a de la chance. Alors, je crois qu'il y a une question. D'un petit garçon, je crois, que j'aperçois là-haut. Vas-y. Moi, j'ai une question à poser, en fait. Eh bien, c'est... les extraterrestres, on ne les voirait pas. Peut-être parce qu'ils ont peur des humains. Ils ont peur de nous, qu'on leur fasse du mal. C'est pour ça que les extraterrestres, peut-être, ils se cacheraient.
pour pas qu'on les voit. Et dès qu'on envoie des sondes sur Mars, alors les extraterrestres, ils se cacheraient dans des endroits qu'on ne peut pas découvrir. Et c'est une théorie. Ils croiraient qu'on ne pourrait pas leur faire du mal. Mais je ne sais pas comment on peut pas leur prouver qu'on ne leur fera pas de mal. Parce que eux, ils ont peur de nous. C'est pour ça qu'on ne peut pas leur parler. Et nous, on a peur d'eux. Et... Oui, mais c'est vrai que s'ils ont vu E.T., ils ne sont pas encouragés. C'est terminé. Merci. Oui, c'est vrai que toutes nos représentations, chaque fois qu'on a un extraterrestre sous la main, il faut qu'on lui découpe le corps ou qu'on le mette dans un bloc de glace, dans la glace. Il y a aussi David Bowie dans L'homme qui tombait du ciel, il finit en piteux état. Donc on a une curiosité assez malsaine vis-à-vis des extraterrestres. C'est assez courant. Une dernière question. Donc peut-être qu'ils ont de bonnes raisons de nous éviter. Oui. Allez, monsieur, une dernière question. Oui, merci, bonsoir. Aujourd'hui, en 2008, est-ce qu'on a des cas récents de... d'atterrissage, d'observation, parce qu'on parle beaucoup de phénomènes qui interviennent depuis les années 47. Nous sommes 60 ans plus tard. Aujourd'hui, qu'en est-il exactement? Est-ce qu'on a réellement de nouveaux cas qui sont probants? Parce que si c'est pour, effectivement... Je ne pourrais pas vous citer comme ça des cas précisément, mais c'est vrai qu'il continue à y avoir des histoires qui sont enregistrées. Il y a même des photos, des détections et choses comme ça. Donc, ça continue. C'est vrai qu'on en parle moins parce que la presse rapporte moins les observations. Il y a eu une transformation dans... Longtemps, la presse rapportait les observations parce que c'était la base dans les débats sur les ovnis. Avec le phénomène X-Files, le débat s'est transposé sur les théories du complot. Donc, on fait moins appel aux observateurs. Donc, ça remonte moins jusque dans les articles de presse. Mais le CNES continue à recevoir des affaires. Donc, il continue, oui. Mais les cas vraiment intéressants, statistiquement, sont rares. C'est pour ça que, à mon avis, pour arriver à débloquer un peu la situation, il faut changer de stratégie, je dirais, non pas attendre qu'il se passe quelque chose, parce qu'il faut attendre la bonne volonté des gens qui viennent rapporter et tout le monde n'a pas envie d'aller dire « j'ai vu un ovni ». Et pour justement systématiser un peu et faire appel à des gens qui sont entraînés pour avoir des données qui seront plus exploitables. Peut-être moins étranges a priori, pas du style atterrissage ou trucs comme ça, mais plus exploitables par des scientifiques. Donc c'est plutôt, je dirais, vers... arrêter avec le côté anecdotique, l'accumulation d'anecdotes pour aller vers une démarche plus raisonnée, plus systématique de recueil d'informations qui sont qualifiables et dont on peut faire quelque chose, quoi. Voilà. Mais oui, ça continue, bien sûr, ça ne s'arrête pas. Ouais, monsieur ufologue, il voudrait absolument vous avez un cas précis à citer, mais rapide, hein. Court, très court, hein. Ouais, promis, je vous fais court, je sais que vous n'avez pas encore mangé, donc on pense à vous. Alors, pour les cas locaux récents, 2007 a été un peu riche, mais sans plus. Vous avez le 23 avril de l'année dernière, à 15h, deux pilotes de compagnie aérienne anglaise au-dessus des îles de Jersey-Guernesey. Deux phénomènes aériens à haute altitude de grande dimension ont été observés. Voilà, ça vous pouvez le trouver sur Internet facilement en tapant OVNI Guernesey, vous en trouverez. Vous avez aussi Bourges, le 12-13 juillet de l'année dernière aussi, phénomène aérien basse altitude d'un volume apparent de 20 cm. Voilà. Il suffit un petit peu de chercher sur des infos. Évidemment, les vrais phénomènes probants, mesurés techniquement, seront toujours discutables, soit par des problèmes techniques du radar, inversion de température, etc., etc. Pour ceux qui sont un peu techniciens, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Merci, etc., etc. Voilà. Donc, on peut en parler 29 janvier, la semaine prochaine, 20h30, Pizzeria L'Astoria, si vous voulez nous retrouver là-bas. Voilà. Le rendez-vous est donné. Alors moi, je voudrais quand même qu'on dise un grand, grand merci à Pierre Lagrange d'être venu nous rencontrer ce soir. Il fait peu de conférences grand public. Merci beaucoup, Pierre. Pour ceux qui sont intéressés, venez nous rejoindre sur le plateau là pour voir les livres que Pierre Lagrange a apportés, si vous souhaitez en acheter ou les faire signer. Je vous donne aussi rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de la théorie de l'information, une science qui s'émancipe, en partenariat avec l'École nationale supérieure Cachan et l'antenne de Bretagne. On vous expliquera ça la semaine prochaine, avec un intervenant de grand talent.
Claude Bérou, qui vient d'ailleurs de rentrer à l'Académie des sciences. Donc ça, c'est mardi prochain, même lieu, même heure. J'espère que vous serez là très nombreux. J'oublie rien. Ah si, on a un Café des sciences aussi la semaine prochaine, mais je vous en reparlerai mardi. Bonne soirée à vous, bonne nuit, rêvez bien, et s'il y avait des extraterrestres parmi vous, bonsoir à eux aussi, ils ont été très sympas. Bonsoir.